Allez, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, et on se retrouve pour le dernier Grand Prix de la CFFR Elite et de la saison 9 complète, car on a déjà eu le Grand Prix Expert vendredi. Et ce soir, je serai accompagné du coup de Mathieu. Salut à toi, Mathieu. Salut, salut à tous. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien et toi, on est là pour le Grand Prix du Brésil, un Grand Prix qui est toujours un peu surprenant, donc on s'attend du spectacle ce soir. Ouais, on s'attend à un sacré beau spectacle. On a toujours des grands prix mouvementés avec beaucoup de chances de pluie. Donc on va surveiller ça. Dernier grand prix de la saison. Pas grand chose à dire. On va faire un petit point au niveau classement. On a du coup Adrien Tellier qui est déjà champion élite. En deuxième place, on aura Anis qui ne va pas bouger. On a encore une bataille pour la dernière place du podium entre Corentin Rouzer, alias FFR Tifosi, et Arthur de Maigret. On aura aussi Dorian Revel, alias Delta, qui peut se mêler à la bataille, je crois. Ouais, avec un. Il lui Ça va être faudrait compliqué, mais un perfect avec les deux devant, on marque pas de points. ouais, ça va être quasi. On va dire que c'est impossible, hein. Ouais, Après, pour ouais. ceux qui nous regardent, plutôt dire les pseudos parce que je pense qu'ils vont galérer Ouais, si on ouais. dit que les noms. On aura Mais ouais, il y a encore Coro 6e. des places d'honneur, beaucoup de places Ouais. d'honneur qui vont se jouer ce soir. Ouais. Ouais, comme on voit par exemple la 6e place, on a trois pilotes pour cette 6e place. On a Coro Sensei, CFFR Cabrossa et Fury Twix. On aura Angelo qui, sauf grosse mésaventure, devrait garder sa 9e place. On a Pedro 10e. Qui est encore en bataille avec Zleten, 4 points d'écart entre les deux. On a Max Pod à 43 points en bataille avec Franck Kisno avec 7 points de différence. On a Felcos qui peut peut-être passer Franck encore. On a une bataille à 3 entre Dim Resort, Wallet Up et Le Messin. Et derrière, il nous reste Vettel qui est présent ce soir, je crois. Et on a Zeller et Alcine qui ne sont pas là et qui ne marqueront pas de points cette saison. Pareil, niveau constructeur, Alpine champion constructeur et Red Bull deuxième. Normalement, ça ne devrait pas bouger. On a McLaren qui peut jouer les troubles faits, pardon, pour le podium, pour shipper le podium à Ferrari. On a Williams qui se bat avec Alfa Romeo pour la place de première écurie à venir, avec Alfa Tauri aussi qui peut se mêler à la bataille. On a Mercedes qui ne devrait pas bouger de la 8e place. On a Aston Martin avec 31 points qui devrait rester 9e. Et la Haas qui devrait rester en 10e position. Voilà, on a les petites affiches pour le titre de la Joya et aussi le titre de l'écurie Alpine. La Joya qui a tout ramené cette saison. Effectivement, Et. qui a tout ramené à la maison. Ouais, tout ramené. Il n'a rien laissé aux autres. Hop. Pas très sport. Non, c'est le jeu. Il a pas non plus marché sur Ouais, la concurrence, c'était quand même serré. mais il a quand même fait une très belle saison qui a été ponctuée de très beaux titres dans le Grand Prix précédent. Et puis on espère, bah, pourquoi pas finir sur une très belle note en gagnant ce Grand Prix du Brésil pour le pilote alpin. Ouais, Et c'est ce préparer au mieux la qui. saison 10. Ouais, c'est sûr, c'est ce qu'il veut. En parlant de saison 10, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on aura l'annonce du coup de quand se passera la saison 10. Elle sera à la fin du live. Mais on parlera, ouais, de tout ça, peut-être juste avant l'interview ou peut-être juste après l'interview. On verra comment tout se décante. Oui, se décante, c'est bien ça. Se décante, ça se dit, se décante tout ça, ouais. Saison 10, ouais, où il y aura pas mal de nouveautés à venir, hein. On va pas tout dire tout de suite, mais en tout cas, ceux qui participeront à la saison 10, je pense, seront contents de toutes les nouveautés apportées. Je vais essayer de revenir à des postes aussi plus réguliers, plus que commissaire, plus que commentateur, pardon, je viens de faire un lapsus. Enfin bref, il y aura pas mal de nouveautés, pas mal de nouveaux postes aussi. Et on va essayer de faire des choses pas trop mal. Même pour le poste de commentateur, on va essayer d'améliorer un peu. Ouais, On en reparlera de tout ça. de toute façon. Mais en tout cas, il y a encore un Grand Prix à effectuer.
coup être mis de l'autre côté maintenant. On aura bien l'occasion d'en reparler cette saison 10. Oh oui, on a le temps parce qu'avant ça, on a un dernier Grand Prix du coup de notre groupe élite pardon qui va débuter sous peu. On est dans le chargement et on va se mettre du côté du chargement du coup. Je ne sais pas, je ne vois pas ton écran, mais oui. Et on est parti pour une qualification Q1, Q2, Q3. Avec Crash, je crois que c'est comment qui s'est connecté là au dernier moment. Je ne sais pas si. Tu parlais de Vettel qui était là ce soir, j'ai pas l'impression. Non, pas là, peut-être, je sais plus. J'ai vu des line-up. Oh, de la forte pluie. Et de la forte pluie, ça pleut fort, fort, fort là. Oh oui. Oh, c'est pas beau. Ah non, là ça va être compliqué pour les pilotes qui les watts. Oh là là, si ça se calme, c'est les watts. Si ça se calme pas, parce que là ça va pas se calmer. Oh, ça a pas l'air, non, ça a l'air d'être. Oh, ça pleut très très fort là. On a aussi le champion expert de la saison 9 présent ce soir, le réserviste normalement du côté de chez Mercedes qui a été prêté du côté de chez Haas pour combler la grille pour partir à 20 ce soir. Et je vois que ce soir on est 17. Ouais, mais il manque qui? Faudrait que je guette. Non, je sais qu'il y a eu des pénalités de Fournier. Et je crois qu'il y a un pilote qui a une pénalité qui viendra au dernier moment, c'est possible. 18 maintenant là. Je crois qu'on est 18 avec Didier Trashko qui a rejoint. Du coup, Ouellet n'est pas là. J'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Ouais, Ouellet n'est pas là, Vettel n'est pas là. Si, je l'étais né là. Du coup, non, Vettel, je crois que tu avais dit Vettel. Oui, j'avais dit Vettel, pardon. Mais Vettel devait être là, mais n'est pas là du coup. Ou va arriver en retard. D'accord. On va surveiller tout ça. En tout cas, ils seront 18, 19 ou 20. Ouais. Bon, c'est dommage de ne pas finir à 20 pour la dernière. Ok, donc on m'annonce qu'on aura une pluie forte qui va passer en pluie intermédiaire, qui va passer en sec normalement en fin de Q3. Ok, d'accord. Et du sec pour toute la course. Ok. Bon, alors ça sera juste. C'est plutôt sympa, moi, je trouve des qualifs comme ça où ça commence sous la forte pluie, puis ça s'assèche tout le long de la session. Ça va être du coup. Des gens qui vont faire que de s'améliorer. Ce sera le dernier en piste qui aura le dernier mot. C'est un peu une qualif en un tour quand c'est comme ça. Qui a déjà mis des inters, hein. Enfin, qui a déjà chaussé les inters, mais qui n'est pas encore sorti. Ouais, en prévision, je pense. Ouais, après, ouais, ça peut être une qualif à surprise, du coup, les météos comme ça. On sait qu'il y en a qui tentent des coups de poker, on l'avait vu. Si je dis pas de bêtises, il y a deux saisons Grand Prix de Chine, on avait Choes dans le groupe expert qui était sorti en toute fin de qualif, en toute fin de Q3 pardon, sur des softs alors que tout le monde avait un temps en inter et il était venu prendre la pole position. D'ailleurs, il a malheureusement pas gagné la course, mais il avait tenté un sacré coup. On va suivre le premier tour lancé hein, du coup de Pedro. C'est Pedro, ouais. Peut-être baisser un petit peu. Ah, vous devez l'entendre en double. Ah, du coup, celui-là, il a un petit peu de bandit en double, n'hésitez pas. Ouais, non, mais j'avais eu des. Bastien, je me dis bonsoir messieurs, bon live à tous. Bonsoir pilote. Salut Bastien. Que seigneur, salut à tous, merci pour le commentaire. C'est Pascal, le père à Fury. Donc si t'avais pas le info, voilà. Si il a. Okay. Salut Don McQueen. Salut à tous. Salut à tous. Et Pedro qui a passé la ligne.
31-336. Bon, du coup, le temps de référence qui va sûrement être battu tout au long de la session. Hein, faut pas trop de risque en disant ça. Oui, et puis aussi, on sait aussi que les pilotes vont enchaîner plusieurs tours. On sait qu'on peut, sous la pluie, enchaîner plusieurs tours. Ouh, petite glisse de Max Pod. J'ai pas vu. Sortie du virage, oui. 2. D'accord. C'est sur qui là que je vais mettre Je suis sur Max Pod. On a Spanish qui vient de se mettre derrière Pedro en 1.23.7. Effectivement. On a une as à la faute. Oh, c'est Raven, ça a cassé pour Raven. Ah oui, effectivement, dans le dernier secteur, ce secteur qui est assez piégeux. Là où Max Pod arrive justement. Ouais. Secteur avec un virage ici à gauche. Non, c'était... Oui. Si, c'est ça. Hein, oui. Je crois qu'il a cassé ici, sur la droite de l'écran. Il y a le mur qui est très très proche ici. Ouais, il suffit qu'il y ait un peu de glisse à la réaccélération et, là, Max Pod, et c'est le mur. Large, je sais pas si t'as vu. Ouais, ça sort large, mais ça a pas coupé. Non, ça a pas coupé, mais attention ici, hein, on s'en rappelle, Fernando Alonso, Minardi aussi à l'époque, il y a eu un énorme crash dans ce virage. C'était pas Felipe Massa. Pas Felipe Massa qu'il avait perdu à l'intérieur, si, je crois. C'est possible. Il y a une mauvaise pneu, il y a des pneus partout et bon je veux que tu pris des pneus en pleine tête. Enfin pas en pleine tête mais en pleine face. Dites-nous sur le live si vous voit plus de l'année, cet accident là. J'ai vu un podium avec seulement deux personnes sur le podium à l'arrivée au lieu de trois pilotes. McQueen qui nous dit encore un pilote à out et pas besoin de sortir faire un temps. Parce qu'il me semble que oui, il y a des pénalités ce soir, il y a Cabrosa. Cabrosa, mais il a pas rejoint encore le bid, donc c'est pas Weber et Alonso que nous dit Iceman. Si, je crois que c'est ça, la Minardi de Weber avec Emo. Je crois que c'est ça, je crois qu'il a raison. Champion expert au tapis du bureau, effectivement. Le champion expert. Qui partira de la dernière position pour ce Grand Prix de l'élite. Et Max Pod qui vient de claquer le 1.27. Ouais, gros chrono de Max Pod juste devant Delta comme tu me dis. La pluie qui s'arrête pas. Hein. Là, ça vit sur les... Non, elle a pas décidé de se calmer. Non, elle est là, elle vient là. Ça se trouve, on l'aura jusqu'à la fin de la Q1. Hein. Ouais, ça se trouve. Hein. C'est plus fort qu'elle sera intermédiaire en Q2, peut-être. C'est possible. On va surveiller tout ça de près. En tout cas, ça fait plaisir de voir de la pluie sur cette fin de saison. Là, on n'en avait pas trop eu. Hein. Oh, depuis que je suis revenu, attention, une Ferrari en spin. C'est qui? C'est Fury. Si t'es dessus. Ouais, et il y a une AlphaTauri juste derrière aussi. Ouais, qui est en PLS. Ah, ça dit énormément, les pilotes, ils sont tous sortis, c'est pour ça que je me demande si ça va pas se calmer, parce que j'ai l'impression qu'ils... Ouais, j'ai pas l'impression, ouais. Et si ça se calmerait, et je pense qu'il y aurait les pilotes pour me regarder sous le pied, quoi. J'ai pas l'impression que ça va se calmer d'ici la fin. Et t'as raison, ouais, je pense pas non plus. Il faut faire plusieurs tours pour sur les wets pour les chauffer. Zeta, ouais, Zeta, c'est ça, c'est au bout du... tours sur les wets et qui chauffe la piste, ouais. Qui font des temps incroyables. Une 19-7 pour Zdeten qui vient se mettre en première place provisoire. Juste devant Delta, Pedro et Max Pod, on a La Joya, Coro Franchi, Spanish le Messin, Waxbode et DJ Threshold, le dernier à avoir rentré un temps provisoire. Ah, et puis là, on va aller sur coup en surprise. Je pense que les 4-5 dernières minutes, elles vont être folles. Aucun pilote n'est à l'abri. Ouais, et puis même là. 7, ça passe en Q2, hein. Je suis même pas sûr.
Alors là, je pourrais pas te dire du tout. Si la piste s'améliore nettement d'un coup, les pilotes feront mieux qu'une 19-16, je pense. Donc là, je pourrais avoir. Je suis avec Fury. Ouais, je suis sur Little Works, moi. Mais une Alfa Romeo à l'arrêt qui... Oh, dans le mur. Dans le mur, c'est Max Pod, c'est fini. C'est fini, on est en point, c'est pour Max Pod. Aïe, 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 ça a glissé énormément les pilotes qui prennent déjà tous les risques. Une 19-5, ZTM qui se balade. Ouais, ZTM qui améliore encore. Attention à Team Reserve de ne pas gêner Little, ça devrait aller. La montée brésilienne pour Little Works. Sur la ligne, on va claquer un 20.5. 20.5 sur un premier tour, hein, à noter. On suivra ça quand même. Pas trop mal. Cabrosac a rejoint. Donc on sera bien 19. Hein. On avait bien, normalement, enfin de noter, j'avais bien Vettel, mais du coup Vettel a donné son absence cet après-midi, donc c'est pour ça que qu'il n'est pas là, et du coup on sera 19. Ça marche, bon ça va. Et Zeten qui a l'air très à l'aise sous la pluie. Hein. Ouais, Zeten c'est un pilote qui adore la pluie. Dommage pour lui que la course ne soit pas sous la pluie. Mmh. Oh, Coro, c'est fini aussi. Coro, il l'a perdu à gauche. Il a cassé, ouais, dans la remontée. Ah, cette montée est fatale. Hein. Ah ouais, elle pardonne pas, hein. Ah, les pilotes qui prennent tous les risques, hein. Et ça veut simplement dire que du coup on a tous nos éliminés. Ouais, on a déjà nos 4 éliminés, c'est bien ça. Il n'y a plus que Jim Razor et McQueen qui doivent rentrer un tour quand même, hein, parce que... Enfin un tour potable même. Parce que si tu fais en dessous d'une 20.7, tu passes pas. Hein. Vous ferez mieux qu'une 20... Non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Vous ferez mieux qu'une 21.4. Tu vois, Jim Razor, t'as fait un temps, mais pas un temps assez correct pour. Donc on n'a pas encore tourné les éliminés. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi Ah, c'est d'accord, ok. DJ Trashko, il a. Quand tu casses, t'es. Ouais, voilà. Tu passes pas, donc oui. Non, il faut qu'il fasse mieux qu'une 23.0 du tout. Ça sortirait du tout. Ouais, s'il veut sortir. Oui, s'il veut sortir quelqu'un, mais si on veut nous éliminer, pour que. Oh, Cabros! Ah oui! Non, c'est normal, c'est normal. Ça fait un petit fond de ville là, il l'a accepté. Ok, attends. Je vais partir plus loin. Tu m'entends? Tu m'as dit quoi? Ouais, c'est bon. C'est Pascal qui nous a dit qu'on t'entendait pas beaucoup. Donc j'ai monté ton micro. Allez, remonte-moi un petit peu, ouais. Tu peux sur le live si c'est tout bon. Zeten en pneu intermédiaire, on va regarder ça. On va regarder s'il sort ou pas. 7 tours déjà d'enchaîner pour Pedro. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, il chauffe la gomme. Il compte faire un grand prix. Oh, il fait un grand prix là. Mais il est pas mal, hein. Une 20.0, c'est vraiment bien. Ouais, c'est un beau chrono. Et ça devrait passer du coup. C'est pas que ça devrait, ça va passer. Et effectivement, alors, tous les pilotes doivent faire mieux qu'une 20.7 si on veut tous les voir en Q2. Ouais. Et tous les pilotes vont partir en wet. Hein. Zeten a remis les wet. Aucun pilote ne va ressortir en inter, ça pleut encore beaucoup trop fort. Donc on aura eu une Q1 100%, ouais, 100% full wet hein, pour la Q1. Ouais, tous les pilotes qui sont en une 20.7 ne vont pas ressortir, je pense, hein, en dessous. McLaren à la faute, c'est Delta. La Queen, une 20.7.
Delta la faute, mais Delta qui peut rentrer au stand. Hein. Une petite balade de santé, des chronos de santé pour eux, ça devrait passer forcément. Donc là en danger, on a Dim Resort, Trashco, Spanish, Warzbo, ouais, le Messin. Ça passe pour le moment. Oh, il est... C'est vraiment pas très sécurisé. Hein. C'est un beau temps, ouais, c'est limite. Mais Spanish et Trashco, ils ont juste à améliorer un peu et ça le ressort. Spanish qui va passer la ligne. Il est en retard, hein. Il est en retard, il va pas améliorer. On va suivre Spanish qui vient de lancer son tour. Allez, c'est parti, moi je mets sur Warzbot qui part à l'assaut d'une qualification en Q2. Ah, puis elle a glissé, c'est Delta, je crois. Delta qui a cassé. Qui a cassé dans la montée. Alors qu'il passait. Ouais, ça, par contre, ça, c'est une erreur qui va coûter cher parce qu'il ah, était 4ème. Ah, c'est dommage. Il joue au classement constructeur. Ils jouaient, ils sont à la bataille au classement constructeur. C'est dommage pour Delta. Tout va jouer en course pour le pilote McLaren. À la Q1, sous la forte pluie, qu'aura fait du dégât. Puis les pilotes qui ont sûrement un réglage sec, donc. Ouais, c'est ah, c'est ça, dommage. Ça. Delta qui avait aucun risque à prendre en plus. Ça passait pour lui en Q2. Ah, il doit s'en vouloir le pilote McLaren. Spanish, ça glisse un peu à la réaccélération. Spanish, il est en quel secteur? Il est dans la remontée. Ouais, il est à la fin. Sur la ligne. 21.7. Pas mal. Derrière, j'ai Warzbot qui améliore largement. Si tu veux te mettre dessus, il est dans la remontée, virage à gauche. Ouais, je me suis mis sur Trashco, juste derrière lui. Allez, ça marche. Moi, je vais voir Xbox dans le virage de gauche. Attention à ne pas avoir le pied sur l'accélérateur à 100%. Sur la ligne pour Warzbod, ça passe. 21.4 pour le pilote et de l'autre pilote McLaren. Trashco, non, ça ne passe pas. Il a amélioré, c'est mais. Spanish sans... qui améliore encore d'un dixième. Il n'a pas assez amélioré le pilote Mercedes, mais il repart sur un chrono, j'ai l'impression. Spanish pas aller sous la pluie. Spanish ça glisse. Hein. Deux dixièmes d'avance tout de même. Oula, la accélération. Il a bien pris la courbe. Et du coup en Q2 on aura seulement deux éliminés. Pour le moment. 1, 2, 3, 4, 1. Oui pour le bas. Oui mais ça risque d'être comme ça d'ailleurs. Je vois mal aller chercher une 20.7 ou une 20.1. Oh, il a 7 dixièmes d'avance, Trashco. Il est pas mal. Il peut sortir Spanish. Ouais, il peut sortir la session Spanish. Qui vient de se terminer. Spanish aura aussi un dernier essai. Je sais pas. Et ça passe pour Trashco. Ça passe, une 21.5. Mais est-ce que Spanish va réussir à ressortir Trashco? Il est en légère amélioration, Spanish, de 73 ouais, millièmes. Ouais. Mais ça suffirait, 73 millièmes. Pour sortir Trashco, ils sont collés, il y a 50 millièmes entre les deux. Si Spanish améliore, il élimine DJ Trashco, il passe en Q2. Oh, du coup, on aura une Q1 mouvementée. Avec ouais, les, bah oui. les casses. C'est ça, on a eu beaucoup de casses, on a eu 4 casses quand même, 4 pilotes qu'on cassé. Raven, Koro, Max Pod et Delta. Ça glisse à la réaccélération pour Spanish. Et du coup Spanish sur la ligne. Et ça passe pour Spanish. Et ça passe, il élimine le... Ouais, il élimine 12ème temps. Il élimine Trashco, dommage pour le pilote Mercedes qui ne passera pas en Q2. Et on va avoir un grid départ, on va dire, où Delta
Max Pot paye un peu moins cher, le fait d'avoir cassé, ils partiront entre guillemets seulement 13e et 14e, et ça aurait pu être pire avec une casse. Alors, c'est quand même dommage, hein. C'est quand même dommage, mais du coup, ils partiront 13e, 14e, Koro 15, Ditrashko 16, Dim Resort 17, Caborosa 18 et Raven 19. Et effectivement, deux éliminés lors de la Q2. Ouais, on aura que deux éliminés pour la Q2. Je m'attends à ce qu'on soit plus sous forte pluie dès le début de la Q2, je pense. On va voir. Après, il On va pleut, voir. enfin, il y avait encore beaucoup de pluie, donc. Ouais, mais souvent dans le jeu, ça se calme assez vite. Ah bah non, Non, j'ai rien toujours une dit. forte pluie. J'ai rien dit, c'est incroyable. Mais je pense qu'elle va se calmer sur la Q2, on verra. On va voir pour l'instant, c'est. Il n'y a rien de calme. Il y a de la pluie à gogo. Les Red Bull ont chaussé les Inter. Info ou intox? Hmm? Est-ce que c'est de l'info ou de l'intox? Parce que là, à mon avis. Ouais, on va voir. Le premier à sortir, c'est Zlatan, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça sort en pneuette. Pneu maxi pluie. Fury, la Joya qui chausse les Inter. Ouais, on va suivre. Angelo qui chausse les Inter et la pluie qui se calme. Oriane, Ouais. la pluie qui se Petite calme. pluie, On va mais. finir sous intermédiaire. Ouais. Il n'y a même plus de pluie là quasiment. Enfin, un petit peu quand même, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais, là, on est Donc encore sous effectivement. condition wet, mais on va Ouais, mais ça finir va sous changer. condition intermédiaire, ouais. La piste qui va sécher de plus en plus vite. Et on voit déjà une petite trace au sol. Hein. On voit Ouais, déjà on que c'est un voit peu une plus foncé trace là où au les sol. pilotes passent. Mais bon, on voit encore les flaques en dehors, donc c'est encore Ah, de limite. toute façon, hein, les pilotes qui sortiront d'Inter, il faudra qu'ils soient très prudents hors de cette zone. Oh, ça vaudrait même pas le coup de sortir maintenant en Inter. Autant attendre. Là, moi, je suis un pilote qui veut faire les inters. J'attends Hein. que mes petits Ouais, bah collègues oui. sachent la piste. Moi, j'attendrai personnellement les 3 dernières minutes. Ah, les 4. Pour faire Oh, deux c'est peut-être un tours, peu au cas risqué. Il où. faut peut-être faire 2 tours. Ouais, 4 dernières minutes. Je te fais 2 tours. Tranquillou. Francky qui va lancer son chrono. Tout comme Pedro, tout comme Zlatan. 19-4 pour Zlatan. Dans le secteur 1. 19-3 pour Pedro qui lui emboîte le pas et qui est 100 millième devant. Francky, 20.0. C'est pour l'instant Pedro qui mène la danse dans ce secteur 1. Le secteur 2 qui est un secteur sinueux, ça va être compliqué de doubler ici. Il y a quand même pas mal d'endroits pour doubler au Brésil, mais c'est surtout secteur 1 et secteur 3. Ouais. Secteur 2, c'est assez compliqué comme vous le voyez sur la mini-carte. Je pense que tu avais mis la mini-carte. Oui. On a une McLaren en spin, c'est Worksbode qui a fait un tête à queue et qui allait casser le panneau P0. Zlatan sur la ligne. Une 19-4 pour Zlatan. On voit les temps qui sont meilleurs en début de Q2 qu'en fin de Q1. Donc c'est bien ce qui prouve l'amélioration de la piste. Et Pedro, malgré un meilleur secteur 1, qui a raté son secteur 2 et 3. Francky, une Francky aussi 21-2 en bateau 2. qui a clairement raté son tour, je pense, hein, le pilote Williams. Il peut mieux faire. Hein. Quand on voit les temps de ses petits collègues. Warsboot qui a raté son chrono.
Tifosi, pareil. J'ai pas l'impression qu'ils sont dans un. Ah, si, quoi qu'il est pas mal, sinon j'ai rien dit. Tifosi, il est bien. Ouais, je suis sur Tifosi. Cette remontée, virage à gauche, la réaccélération de Tifosi à l'extérieur. Il va arriver sur la ligne, le pilote alpine. Ah bah il rentre au stand. Il était pas trop mal pourtant. Ouais, pour mais je pense qu'il va, il faut pas perdre de temps, il va mettre les inters. Hein. Il s'est rendu compte que ça roulait vite. Ouais, là, la piste est sèche. Il s'est dit, ça sert même pas que... Ça sert à rien que j'aille faire un temps en wet. Il va directement chausser les intermédiaires et ressortir, je pense. Comme beaucoup des pilotes qui sont. Mais on voit le soleil. Le soleil qui est là. Il a pointé le bout de son nez au secteur 1, on le voit un petit peu. Ouais, il est là le soleil, c'est fin du choc Francky. On l'a, oh Francky qui vient, de casser l'aileron à la réaccélération. J'ai vu en live, il y a un bout d'aileron en plein milieu de la piste, par contre là c'est dangereux. Oh, il a de la chance de pas avoir cassé la roue. Hein. Ouais, énormément de chance. Pas crever dessus. Non, c'est bon. Si tu veux, t'as Worksboat qui va faire un chrono en une 20.5. Après, c'est des chronos en wet. On sait que ça ne tiendra pas jusqu'à la fin de la Q2. Ouais, je pense que là, tout le monde va chausser les inters et partir en inter. La Joya qui a lancé le ouais, truc, là, qui est en intermédiaire. Et il glisse hein, quand même. Hein. Ah, il glisse, hein. Il glisse sévère. Et il use pas mal les pneus inter. C'est peut-être pas le moment. Hein. C'est peut-être pas le moment, là. Faut attendre un petit peu encore. Surtout que sur les inters, je crois que tu peux pas enchaîner les deux tours. Hein. Par rapport à l'ERS. On a le Messin qui est ressorti en pneu wet, mais il glisse. Ouais, je pense que là, on est vraiment en entre-deux. Hein. Les wet qui n'ont pas l'air top, les inters non plus. Faut chauffer un peu les intermédiaires. C'est peut-être le temps. Ça y est, tout le monde sort un peu là. Tifosi également. Je pense que là, c'est le moment. Ça y est, McQueen qui sort en inter. Les pilotes qui vont tous sortir. Les Ferrari et Little Wars qui risquent de sortir aussi. Ça va ressortir aussi pour Zlatan. On va suivre la journée, le premier en intermédiaire. La fatigue du dimanche soir pour toi. Oh putain. C'est dur. Elle se fait ressentir. La semaine qui a été longue. Oh oui. Qui reprend déjà à 5h demain. Ça ne s'arrête jamais. Il faut dormir la nuit. Ah enfin, oui. Tu fais des folies de ton corps pour ça. Oh non, même pas. La Joya qui est en 5e position et on va voir ce qu'il va faire en intermédiaire. Bon, il est 5e parce qu'il a pas de chrono. Oui. On va voir ce que ça donne un temps en intermédiaire. On rappelle que c'est l'un des premiers à être sorti, donc est-ce qu'il a pas un peu les pneus déjà trop usés ou trop mouillés, je ne sais pas. On va vite le savoir. J'ai l'impression que c'est plus rapide que tous les pilotes d'avant. Ouais, une minute. Pour le moment, ça allume en violet. J'ai l'impression qu'il va nous faire un gros chrono. 15, 16. Il va taper une 18. Et une 18, 198, ça va bien, bien mieux pour les inters. Même si la Joya est le champion en titre de cette saison 9. Mais il ne mettrait pas une seconde 3 à la régulière à ZN. Donc les inters sont vraiment les plus rapides. Little Wars qui sait. Ah non, qui laisse passer, pardon. On a Spanish du coup qui va rentrer le deuxième chrono en intermédiaire suivi de Tifosi. Il est exactement dans le même temps que la Joya. 1.00 dans le secteur 2. Donc ça va être tendu sur la ligne. Oh, il est juste derrière, une 18.3. Et ça, les intermédiaires qui sont clairement les meilleurs pneus et tout le monde est en intermédiaire. 17-2 à 6 secondes de la fin. 17-2. Donc ça, c'est tout simplement. On va vivre une qualification Q2 où le dernier en piste sera le gagnant, entre guillemets. Après, il faut avoir juste les deux. Faut pas être dans le top 2 en partant du bas, quoi.
Ouais. Et les Ferrari qui sortent, Fury qui sort à l'instant. On aura que deux éliminés. Il faut juste assurer un chrono. L'assurer au dernier moment, c'est très important là, dans une qualif comme ça. Ouais. Faire un chrono à peu près potable à la fin. Même si on fait pas un temps incroyable, juste l'assurer à la fin. Parce que forcément, quand t'es en dernier sur la piste, tes accélérations sont meilleures. 15 millièmes devant Tifosi, McQueen qui va faire un 1.17.230. C'est pas mal, est-ce que ça suffira pour passer en Q3? C'est même pas sûr. Parce que là, en 5 minutes, la piste, elle peut sécher très très vite. Hein. Bah, je voyais aussi qu'il a amélioré sur un deuxième tour, mais qui a pas énormément amélioré, une 17.9 seulement. Ouais, 200 millièmes d'amélioration. J'ai l'impression que le pilote n'a plus d'essence. Ah non, ça y est. Il est reparti. Troisième place pour Little Works, 1.17.617, amélioré oh, par le 16.5. le meilleur temps. Quel temps du pilote Mercedes. Allez, la piste vraiment qui s'assèche, hein, on l'avait dit. Sur la ligne 20.4. Ah, Franck, il va falloir faire bien, bien mieux. Pour espérer passer à la. Ça va lancer. 4 dixièmes d'avance pour Spanish. Spanish qui est bien dans sa Q2. Il a eu du mal à passer en Q2. Et là, il est bien dans cette Q2. Il va peut-être passer en Q3 s'il continue comme ça, le pilote ouais, Alpha Tauri. Il va aller sur les inter que sur les wet. Ouais. Je suis avec la féfé de Fury. Qu'est-ce qu'il va faire en secteur 2? 58.9, il est sur des bases, 17, il est sur des très... 8. Il est sur de très bonnes bases, Fury qui peut aller chercher le 1.16. Spanish qui vient se mettre devant la Joya pour un dixième. Ouais, c'est beau. Et Fury qui va chercher le 1.16 en 1.16.8. Troisième position et ça devrait passer normalement les 1.16. Tous les pilotes en 1.16. Je vois pas Warsbaud ou Pedro gagner 4 secondes sur leur chrono. Ah, quoique, Pedro il en a gagné déjà 2. Il est sur des bases de 1.17. Il fait un 1.17.0. Ça passe quand même en 1.16. 1.17.0 pour Pedro. Qui met Warsbaud en pilote en difficulté. Pour l'instant, ça passera sûrement pas pour Warsbaud. Parce qu'Angelo il passe la ligne en 1.16 aussi, 1.16.9. Une seconde d'avance pour la Joya. Ah, il faut aller chercher le 1.16 pour passer, je pense. La Joya en amélioration, la Joya, il est seulement 9e, le champion en titre. 17-0, c'est limite encore. Hein. Ça va être tendu pour la Joya. Sachant qu'il y a Little qui arrive très très fort avec le meilleur deuxième secteur. Little, ça devrait passer, il devrait améliorer, passer devant la Joya. La Joya qui est pas à l'abri. Ah, Spanish s'est raté, mais non, il lance son chrono maintenant. Ouais, une 16-4 pour Little, gros chrono. Oh, magnifique. Oh, ça a cassé. Ouais, c'est fini. Ça a cassé pour McQueen. Ça a cassé pour McQueen en une 16-8. Il était plutôt tranquille en plus. Francky qui vient se mettre en 8ème position. Une 17-2. La Joya qui est pas à l'abri, hein. Vraiment. C'est un coup de raquette pour le pilote Red Bull. Il s'est pris un coup de raquette. Hein. Il a tapé le mur à droite à la fin du secteur 1. Début du secteur 2, pardon. Fin du secteur 1, début du secteur 2. Oh, la Joya à la faute encore. La Joya qui est pas à l'aise sous la pluie du Brésil. Francky qui a coupé son deuxième tour. Enfin, qui a coupé son dernier tour. Ah non, il aura le temps il lui reste une 15, faut qu'il récupère la pipile, la petite pipile. La Joya, ça va être limite, il a plus de RS en plus. Pour la Joya, c'est terminé, hein. Il n'améliorera pas, il va rentrer au stand tranquillement. Et on va voir si ça passe pour lui, une 17-0. Ouais, est-ce qu'on va avoir une grosse surprise de sachant qu'il n'y aura qu'un seul éliminé, hein.
Ah non, il lance quand même, il tente. Il va tenter. Là, je regarde, on va voir ce que ça donne. Francky qui rentre, et ben c'est fini. La Joya qui passe, c'est sûr qu'il passera. En retard, ça va jouer. On rappelle qu'il y a deux éliminés et que McQueen sera éliminé, donc il n'y en a qu'un seul si jamais ça améliore devant. Le Messin qui améliore, mais pas assez. Une 18.5 pour l'Aston Martin. On va finalement, ça passait même en une 17.5. Est-ce qu'il aura le temps de lancer un dernier? Enfin, est-ce qu'il aura assez de RS pour lancer un dernier? Oh mais là, je crois que c'est fini, non? C'est fini. Le Messin qui est en avance au secteur 1. Et dernière chance pour tout le monde. Ouais. Pour Spanish, Warsbaud et le Messin. Warsbaud qui est en avance de 200 millièmes, ça suffirait. Spanish, ça rentre au stand, c'est la fini. La dernière pour accélération pour Warsbaud. Cette montée, il va améliorer le pilote McLaren. Est-ce qu'il va passer en Q3? Oui. Et oui, ça passe pour Warsbaud, ça élimine Spanish. Ça devrait passer. Ça bien, mais pas tant que ça, du coup. Effectivement, ouais. Les conditions, malheureusement pour lui, lui ont été défavorables. Et le Messin qui va peut-être éliminer Warsbaud. Warsbaud qui va peut-être pas passer. Faut pas souper à la Léo. Accélération. Attention, est-ce qu'il va sortir Warsbaud? Qui partirait du coup 11e, Pedro Meyer chrono. Et il va le sortir. Et ça, non, et ça non. Passe pas. Pour 60 millièmes, Warsbaud qui passe. Et le Messin qui ne passera pas, qui partira 11e. Et McQueen 10. Et on aura du coup une Q3 à 9 pilotes. Dont Warsbaud, dont Francky. Bien joué de la part de tous ces pilotes. Pas habitués forcément à la Q3. Une qualification brésilienne mouvementée. Ouais, avec de pas mal de surprises du coup. Ça va être serré. Enfin, les premiers tours vont être mouvementés, je pense, de la course. Ouais, il y a du gros, du très très lourd qui est derrière. Donc on regardera tout ça. Et on a le Pedro qui a claqué le meilleur temps. Devant Little Wars, devant Fury, les Ferrari discrètes qui se sont élancées à la fin et qui sont passées, qui ont tenu leur rang. Fury et Angelo. Pilote anglais Fury. Et du coup, et le pilote monégasque Angelo. On sera que 9 aussi au niveau de la Q3. Ouais, c'est ce que je disais précédemment, effectivement. On aura Spanish qui partira 12, le Messin 11 et McQueen qui sera scellé à la 10e position. Et la Joya, le champion en titre de cette saison 9, qui a du mal pour cette dernière 7e position. Sur des intermédiaires usés, certes. Est-ce que ça a joué? Est-ce qu'il est tranquille sur ce Grand Prix? On verra bien. J'ai le premier élément de réponse dans la Q3. C'est très important au Brésil de partir devant. Parce qu'on ne sait jamais, ce virage 1 en descente, les S de Senna qui sont compliqués. On a l'image d'ailleurs, ce départ-là qui se passera sûrement avec le même ciel, le beau ciel bleu. Et il ne pleut plus. On va voir, c'est du sec là. Il ne pleut plus pour la Q3 et on risque de tomber sur du sec à fond. Et les pilotes qui sont en soft, hein, ça y est, on partira sur des pneus soft. Et puis pareil, je pense que la piste ne va faire que de s'améliorer. Et le pilote qui partira en dernier aura la meilleure piste. Elle sera toute sec, toute sèche et toute gommée. Parce que là, la piste avec la pluie qui n'est plus gommée du tout. Ouais, on doit avoir une piste vachement fraîche. Et c'est Pedro qui sort en premier. Le soleil qui est là. Hein. Ouais, le soleil qui commence à se montrer. On le voit là avec Pedro.
sur la gauche de l'image. J'aime bien, moi, ces qualifs comme ça, avec changement de DRS activé, nous dit la direction de course. Les pilotes qui pourront allumer le DRS. Il va pouvoir le faire, le pilote Alfa Romeo, là. Il va pouvoir lancer le DRS. Ouais, ça va être parti. Et ça y est, ça y est. Aileron arrière ouvert. Ça va, il prend bien les... On va arriver dans secteur 2. Allez, on va commenter ce secteur 2 si t'es avec Pedro. T'es avec lui ? Ouais, je suis avec Pedro, ouais. Allez, alors, on arrive là dans le sinueux. Avec ce virage à droite, puis ce virage à gauche, en U. C'est des virages en U, hein. Assez technique, assez complexe, où là, on doit arriver à la corde, être bien à droite, puis prendre le plus à droite ici. Être à gauche, puis à droite, puis repartir sur un virage à gauche en étant à la corde. Là, c'est en accélération et pas à fond, sinon pas en tête à queue. Donc c'est une accélération modérée, il faut jouer avec l'accélérateur. Ici aussi, il faut jouer avec l'accélérateur dans la montée. Là aussi, il faut lâcher un peu l'accélérateur, il le passe à fond pourtant. Bon, on peut passer à fond du coup avec ces F1-là. Et sur la ligne, ça donne une 11.2. On n'est plus du tout, sur les temps d'avant, Charléo. Ouais, mais on est encore loin, je pense, des chronos qu'on va croiser ce soir. Comme ça, par exemple, une 8.3 pour Tifosi. Voilà, pas mal. Comme ça, par exemple. Pas mal du tout pour le pilote alpine. Oxbow dans une 10-0. On a la Joya qui va lancer, enfin, qui est en train de lancer. On a Francky qui est sur une base de 1.20. Il est resté sur les pneus pluie, je crois. Je charrie Francky. Une 20.7, il fait mieux que son tour de Q2. C'est déjà ça. Francky qui a tout donné, je pense qu'il fera pas mieux. Non, je pense que là il est au maximum. On le charrie pour la dernière, le pilote Williams qui bien évidemment va améliorer son chrono. La Joya qui va arriver sur la dernière accélération. Qu'est-ce que ça va donner sur la ligne ? Une 8-1 pour la Joya, beaucoup plus à l'aise que sur les pneus pluie. Effectivement, une 8-137 et la Joya qui avait sûrement vraiment typé sec. Hein. Quand on voit un temps pareil. Est-ce que Little Works peut aller jouer les troubles faits dans ce duo d'Alpine ? On suit déjà la fin du tour de Francky. Une 8-7 pour Francky. Oh, joli! Très joli de la part du pilote Williams. Une 8-7, c'est très très fort. Alors que Little Works est dans la remontée. DRS activé. Qu'est-ce que ça va donner sur la ligne? Oh, le meilleur chrono, une 7.6. Et il a un peu explosé le temps. La piste qui doit se gommer de plus en plus. Et encore une fois, les pilotes qui sortiront en dernier qui feront un sacré temps, je pense. Et on voit surtout la piste qui est en train de recevoir du soleil aussi. Donc qui n'aide pas à la température. Qui chauffe, qui se gomme. Je pense vraiment que. Je pense vraiment que les pilotes qui seront là en fin de session, avec un tour au tout dernier moment, seront les pilotes gagnants. Fury sur la ligne. 1-8-0. C'est pas mal, il passe 3ème devant la Joya. Ah, ça va très vite, hein. Déjà une 8-7, c'est déjà pas mal. Angelo Anglis. Piat Ferrari. Qui va sûrement rentrer au stand là. Aller tendre un peu l'herbe à l'intérieur du. Il a les pneus morts, il a plus de RS. Moi à sa place, je rentre pour mettre des softs. Ah, voilà ce qu'il fait. Et il t'a écouté. Oh, 3 dixièmes d'avance pour la Joya.
est déjà ressorti. Oh. Ah, qu'enchaîne un deuxième tour. Sur ces gars. Joya, ouais. Il est en amélioration, le pilote alpine. Il est dans la dernière remontée. Ah, il ne passe pas à fond, lui, tu vois, le virage, il avait relâché légèrement, la Joya, sur la... Il relâche légèrement dans la dernière remontée en haut. Et il nous claque un 17.684 collé à Little Works. À Little Works, est-ce qu'il peut aller chercher la pole? Est-ce qu'il peut aller chercher la pole alors qu'on est à la mi-session? On va voir sur le dernier tour. Hein. Je sais qu'il va rester un tour très très important. Et oui. Parce que la GA s'est mis quand même à 5 centièmes avec des pneus qui ont deux tours d'attaque. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il aura le temps? Je pense que oui, il aura le temps de rentrer au stand puis de ressortir. C'est le seul pilote pour l'instant qui est en piste. Les pilotes qui vont attendre, je pense, les deux dernières minutes hein, pour ressortir. On va avoir un petit temps mort et après on va avoir 9 pilotes qui vont sortir quasiment d'un coup. Il faudra qu'ils se laissent un petit écart entre eux. Ah, je pense qu'on a souvent quand même Tifosi qui sort un petit peu plus tôt que tout le monde. À environ 3 minutes 30. Bon, le temps on le voit pas à cause de la du secteur qui, 3 qui est à l'arrêt. Bon, on verra, sachant que là ça dépend si les pilotes veulent faire un seul tour chrono ou deux. Mais je sais qu'au Brésil souvent quand tu fais deux sur les pneus soft, t'as qu'un essai en général. Hein. Tout le monde va enchaîner à tour, je pense. T'as qu'un essai, du coup les pilotes qui ont un peu raté leur premier chrono, je pense à Worksbot qui est en 1-10, à Pedro qui est en 1-11 et à Angelo qui a pas de chrono. Eux ils ont pas le droit à l'erreur vraiment. Hein. Il faut qu'ils assurent un bon chrono. Sinon ils partiront 7, 8 ou 9e. Le premier à sortir, bloqué je pense par la Joya, mais normalement ça c'est le moment où il sort Tifosi. Dans quel état d'esprit tu serais à la place d'un pilote qui a raté son premier sa première tentative? Est-ce que tu serais à l'attaque en disant j'ai rien à perdre et puis si je fais une erreur tant pis? Ou est-ce que tu assurerais un chrono pour partir 5 ou 6? Comment tu te mettrais toujours? Après le problème c'est que dans ce groupe très serré, le problème c'est que tu peux pas te dire je vais assurer un tour et finir 5-6. Parce que le problème c'est que si tu assures un tour, bah tu vas pas gagner de place, tu vas rester où t'en es. Dans ce groupe c'est faut être full attaque, hein. y a pas le choix, y a pas de secret dans ce groupe élite. Là on le voit, les chronos ils sont tellement serrés que... Ah oui c'est très très serré. Imagine tu fais un tour safe, donc ça veut dire que tu vas perdre 4 voire 5 dixièmes, tu vois, tu te mets au niveau de Tifosi. Tu perds 4 ou 5 dixièmes, tu perds 3 places quoi. Donc, tu passes de 3 à 6, effectivement. Ils sont 3 à être dans le même dixième. 1.8.0 pour Tifosi, pour Fury, pour Zlatan. Et devant, c'est 1.7.6. Il y a deux groupes, hein, clairement, dans cette session. Et ils ressortent tous au même moment. Tifo, le premier à être sorti. Effectivement, tu l'avais dit, hein, il est ressorti quand même devant tout le monde. Et ça sort, il y a une deuxième vague de pilotes qui sortent maintenant. Et tout le monde va ressortir maintenant, je pense, là. Il faut être là au dernier moment sur la piste. Pilote alpine qui ressortent. Ça va ressortir également pour Zlatan. Ah, ils seront là vraiment au tout dernier moment, les pilotes, hein, qui vont aller claquer les meilleurs temps possibles. Et ce sera Zlatan qui fermera la marche. Zlatan pas encore sorti, ça va être... Ça va le faire. Mercedes. Pas en 1.15. Ça va le faire, il va se masser lui, peut-être qu'il a pris le meilleur plan. Et en tout cas, s'il se rate pas, il aura la piste la plus chauffée de tous les pilotes. Ouais. Et on va pouvoir commencer avec Tifosi. Puis dans son chrono. Pour le pilote alpine. Si tu veux te mettre avec lui, et puis moi je te tiens au courant de tous les secteurs, hein, de tous les pilotes. Et 16.717 pour Tifosi.
16.9 pour Angelo, 200 millièmes de retard, mais il est pas trop mal. Pedro qui s'est raté. Non, Pedro qui va lancer. Ouais, mais il s'est raté quand même, il tient tout à queue. Ouais, du coup, ça va gêner Zlatan. Est-ce qu'il aura le temps quand même de lancer? Il reste 20 secondes, hein. Ça va le faire, ça va le faire. Du coup, j'ai pas pu voir les temps de secteur 1 de pas mal de pilotes. 51-0 pour Tifosi secteur 2. Ouah, ça va être limite à 5 secondes près. Zlatan a pu lancer son tour. 16-9, il est pas mal, Francky. Voilà, les chronos qui vont être incroyables. Tifo qui passe en pôle. Provisoire, ouais. Pour l'instant. Sur la ligne et sur le gong. 624. Angelo sur la ligne, il est bien. 2 dixièmes d'avance pour l'Italie. 7.9. Quatrième temps pour Angelo pour l'instant, provisoire. La Joya, une 7-4 qui passe premier. Little War qui va peut-être améliorer sur la ligne. Il y a une McLaren qui va passer. Baud. Bon, Baud qui améliore, mais pas assez. Little War qui vient se mettre derrière. Deuxième, la Joya. Une 7.4. On a Fury qui va passer la ligne. On va observer le pilote Ferrari. Francky, ça n'améliore pas. Une 7.6, quatrième devant son coéquipier Angelo. On peut presque dire une 7.7 pour Fury. Hein. Oui. On est plus proche du 0.7 que du 0.6 pour Fury. Pedro qui passe 8ème et Zlatan sur la ligne. Cinquième qui passe position. Devant Angelo. Qui s'intercale entre les deux Ferrari. Salut à toi le Golden et merci pour ton message qui nous dit super le stream. C'est toi qui es super Golden, salut à toi. Magnifique qualification Q3 en tout cas. Ouais, avec des chronos très très serrés, on a les 7 premiers en 6 dixièmes. Ah, et ça va très très vite. Hein. Francky qui est pas mal, hein. Francky qui est dans le coup. Il affectionne particulièrement le Brésil, Francky. On sait que lui, il est brésilienne. Il aime les femmes au sexe d'homme, comme il aime bien dire. Effectivement, il adore ça. Les pilotes Williams, la danse, la salsa, c'est quelque chose qui le représente bien. En tout cas, on a eu une belle Q3. Et Zlatan qui est parti en dernier, qui avait la piste chaude, qui a devancé Angelo de 4 millièmes. Ouais. Et 4 millièmes, c'est vraiment pas beaucoup. Ils ont quasiment fait le même chrono, mais ça a été à la Zlatan qui est venu s'intercaler entre les deux Ferrari. Alors qu'on va débuter ce Grand Prix du Brésil sous un beau soleil. Ouais, soleil de plomb pour ce dernier Grand Prix de la saison. Et c'est tant mieux pour le spectacle, hein. On aura moins de casse, je pense, et puis des pilotes qui, on l'espère, seront prudents. Ouais, on a vu par exemple en qualif qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'erreurs sous un temps humide, enfin sous des conditions humides. Effectivement. Du coup, on va mettre une petite prédiction. Tiens, tant qu'on y est, hop, je vais lancer une prédiction. Alors, oui, je t'entends plus, c'est normal. De quoi? Je t'entendais plus, c'est normal. Oui, c'est parce que je suis en train de réfléchir. Gérer la prédiction. Donc, est-ce que c'est fait faire la Joya gagne comme d'habitude? Vous avez 2 minutes pour mettre vos points. Est-ce que victoire de la Joya ou non? Je savais même pas qu'on pouvait faire ça, tiens. J'en apprends ça, tous les jours. Et du coup, malgré un titre déjà acquis pour la Joya, il ne veut pas laisser. Enfin, il n'est pas parti en vacances prématurées. Il est toujours là pour. Comment dire, pour tout rafler. Il veut rien laisser à ses petits collègues adversaires. Et on est déjà parti dans 30 secondes. Les pilotes qui sont pressés quand même de lancer. C'est à ne pas nous en déplaire, ça fait toujours ça de moins à meubler, on va dire.
Oui. Alors que dans les stats, la jury gagne, on a 1% de oui et 99% de non. N'hésitez pas à Ouais. voter hein, dans les Ouh, prédictions. y a un petit 10 000 points sur une non-victoire de la Joya. Je sais pas si les pilotes peuvent. J'aurais dû m'en douter de qui a voté une non-victoire de la Joya. Qui d'autre que le C'est frère de qui? Little Works pour faire ça? Mmh. C'est Worksbode. Oh, 13 000. En tout cas, il vous reste 20 secondes pour voter. 57% du coup ont pensé que la Joya vont gagner. 43% de non. C'est Serré. remonté. Bastien qui a réussi pour la première fois à voter sur une prédiction, on l'applaudit. Bravo, Lui qui est Bastien. toujours en retard, que ce soit sur la piste ou pour des prédictions. Et il a réussi à trouver le bouton. Et du coup, qu'est-ce que ça change les prédictions quand tu gagnes? Ça te quoi? Ça te double le truc? Oh, ouais, voilà, ça double tes points. D'accord. Et tu peux faire que des trucs comme ça en doublé. Par contre, sur la piste, tu abuses. Non, non, j'abuse pas, Bastien, j'abuse pas. Oui, c'est ça, Mathieu. D'accord. Oh, bah, c'est pas mal ce petit système. Hein. Faudra qu'on le. Et ça, et bon, on en reparlera en off. Oui. De Tu comment on verras. en fait. En tout cas, j'aime bien. Et du coup, on n'a pas fait un point des pneus, pardon. On a les 6 premiers qui partent en hard. On a Frankie au milieu avec des médiums. Pedro en hard. On a Worksbode en médium. McQueen le Messin, Spanish Delta et Max Pod en hard. On a Corobo Trashco en médium. Dim Resort en soft. Et Cabrosa Raven en hard. Oh là là, ça spin de partout là derrière. Ah, c'est une qui s'est mal positionnée sur la grille. Ouais, c'est vrai que j'ai coupé Attention, le. il risque de se faire Ouais, attaquer par Angelo. c'est des mètres perdus, ça. C'est des mètres qui peuvent coûter cher, on le voit là. Ah, par Il est rapport à très très Angelo, on loin le voit. de Hein. la position. Et on n'attend plus Craven. Voilà. Les feux qui vont s'allumer pour la dernière fois de la saison 9. Et on sera parti. Passez un bon dernier Grand Prix, messieurs. C'est parti! C'est parti, dernier départ de notre groupe élite et un meilleur départ Oh, pour il est bien Little parti, Works. Zlatan! Zlatan aussi est bien parti, Little Works qui prend la pole pour la première position. Oh, Quel départ de Zlatan! y a un départ propre, hein. Ouais, alors qu'il était mal placé sur la grille. Un départ très très propre pour le moment. Personne Et pas de casse, ouais. Pas de est casse. Très beau sorti. départ de tout le monde. C'est magnifique, les gars. Félicitations. Je vous applaudis carrément. Je lâche tout. Et là, ils vont casser. Oh, ça passe à deux de front. C'est chaud. Entre Max Pod et Cabrosa. Ah, Max Pod, bien joué de sa part, qui est sur l'extérieur, là. Ouais, maintenant placé à l'intérieur, ça devrait repasser à part si la traction de. Oh, Oh, il ça glisse glisse! pour Max Pod. Oh, ça va pas taper le mur, heureusement. Oh là là, la glissade en direct, tu l'as vu? Tu l'as vu? Ouais, j'étais dessus. C'est dans la boîte. On est dans les bons plans, et si tu veux des bons plans, je pense que là entre les deux Ferrari, c'est chaud. Ouais, on va Entre celle remonter au niveau de de Fury et Pedro, d'Angelo, j'ai pas Fury vu. et Angelo. Ça s'est changé les positions, hein. Angelo qui est passé sur Fury dans ce départ de course. Ça se décale entre Frankie et McQueen. McQueen qui est Ouais, passé. McQueen qui est passé sur Frankie. On a aussi une bataille entre les McLaren. Delta qui a pris l'avantage sur Worksbode. Entre les deux, ouais. Oh, Bon ça se départ, décale pour Delta. Worksbode qui va protéger l'intérieur face à Dim Resort. Qui protège face à Dim Resort. Dim Resort en pneu soft qui doit remonter vite. Hein. Il se doit de remonter très Ouais, vite. il doit être en full attaque le pilote Aston Martin. Il va pouvoir attaquer sûrement Worksbode dans la grande ligne droite des stands. Là, il va devoir prendre son mal en patience dans ce secteur-là. On peut doubler dans ce secteur-là, mais alors faut avoir une sacrée paire de Ouais. cornettes. Après, avec les softs, il y a moyen d'avoir une. Oh, ça glisse, c'est pour qui? C'est pour Fury.
qui a perdu deux, voire peut-être trois positions dans sa défense sur Francky. Deux positions perdues pour le pilote Ferrari, ouais. Et McQueen qui remonte au 7ème rang. Une 11.3 pour Little Works. Il est pas mal. Ça se décale pour Fury qui passe pas. Attention, il y a une bataille derrière entre Cabrosa et Coro. Ça passe pour Cabrosa à l'intérieur. Les médiums qui n'ont pas l'air de si bien marcher que ça face au hard. On voit Frankie qui a perdu beaucoup de positions avec des médiums. Worksboat qu'on a perdu aussi avec des médiums. Coro qui est en souffrance sur des médiums. Oh, la glissade. Trashko qui n'arrive pas à remonter. Cabrosa qui a glissé. Ils n'arrivent pas à les mettre en température, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas trop, c'est bizarre que les médiums ne montent pas en température alors que les hard aussi. Ou peut-être une surchauffe. Possiblement, oui. Après, j'ai l'impression qu'ils glissent quand même un peu tous. Hein. Fury qui a glissé, je vois que des fois des pneus hard glissent un peu. La Joya, une 11.0 qui est collée. McQueen et Pedro, McQueen qui passe Pedro. Oh, Fury c'est chaud aussi derrière, là il est collé à Pedro. Et attention devant, la Joya face à Little War. Il reste activé pour la première position. Il reste sage. Il reste sage, mais Fury. Pedro et Fury. Pedro qui reste devant Fury. C'est la bataille la plus serrée en piste. Ouais, c'est la même filière, donc. Ouais. C'est la même filière et en saison 10. Non, on dit rien pour l'instant. C'est surtout la même filière, mais Ferrari joue une troisième place contre qui? Contre McLaren, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, c'est face au McLaren, donc ça va pour le moment. Pour l'instant, c'est bon. Mais le Grand Prix est loin d'être fini et Cabrosa a glissé, tout comme Fury en l'instant. Parti loin. Ouais, ça a cassé pour Cabrosa. Et Fury qui a cassé oh, il aussi. A perdu... Comment il l'a. Oh, il a dû avoir un contact. Il est en plein milieu de la piste, Cabrosa. Et safety car. Ah, il y a eu beaucoup de dégâts là. Ça rentre pour Fury, du Fury, il a plus d'aileron. Trashko aussi au stand. Fury l'a cassé tout seul. En glissant en tête à queue. Ah, je pense que Cabrosa a glissé et Trashko l'a. Percuté malencontreusement, ouais. Bah non, il change pas d'aileron. Ah, je sais Est-ce pas qu'il si a oublié passé. De mettre oui? Non, il a rien cassé. Il a rien cassé, le pilote Mercedes. 5 secondes de pénalité. C'est stratégique, son arrêt au stand. Il est pas mal, hein, Didier Trashko, avec son arrêt. Tout comme Fury, tout comme le Messin. Ça fait tôt pour mettre des médiums pour Fury et le Messin. Oh, une stratégie agressive en fin de course. Ils remettront des softs ou autre chose. Fury qui s'en sort bien, hein, qui avait fait une erreur et qui voit une safety car. Fury un peu chanceux. Ouais. Mais tant mieux pour lui. La chance de l'ex-champion. C'est ça. Et je pense qu'il serait un peu plus prudent dans le dernier secteur. Angelo qui est bien dans son Grand Prix, Tifosi, les deux Alpines qui sont bien aussi. Ouais, et Little Works qui a pris la première position. Est-ce que ça va s'arrêter derrière? Oui pour Dim Resort. Oui, c'est. Oui pour Coro également. Coro aussi, ça c'est un peu moins logique. Je sais pas, 30 tours, moi je trouve ça fait beaucoup sur des hard quand même. Hein. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils vont tenter. Non, même pas Medium. En fait, ils anticipent sûrement une autre safety car. Ouais, Dim Resort, oui, a mis des Medium, mais Coro a mis des hard. Ça fait beaucoup, effectivement, 30 tours sur les hard. On verra, ça se trouve, ils vont y arriver, ils vont nous faire mentir. Mais c'est dommage pour Cabrosa. Hein. Weekend à oublier pour le pilote qu'on retrouvera dans la saison prochaine.
Ouais. Enfin, on l'espère du moins. On l'espère, oui, on l'espère. S'il est disponible, s'il a une offre pour la saison prochaine. Mais je me suis entendu dire qu'il, pour l'instant, il y avait la période des transferts et la période des négociations n'était pas encore ouverte. Non, pas pour encore. La saison 10. Les directeurs n'ont pas encore leur budget parce qu'on sait que leur budget est fait par rapport aux objectifs de début de saison, donc aux objectifs de leur écurie à venir, de leur top team, de leur pilote. On a des bonus aussi au niveau des qualifs, des résultats en course, et puis donc bah, tout ça joue dans le budget. Donc, exactement, il y a tout un système. Et les directeurs n'ont pas encore le prix de chaque pilote non plus. Effectivement. Le système sera réformé, ça je l'annonce et ce sera sûr, il sera réformé. Et il y a beaucoup de chances, c'est pas encore officiel, hein, c'est officieux, mais il y a beaucoup de chances pour qu'on repasse en système de directeur à 10 directeurs d'écurie, donc un directeur par écurie. Ouais, la fin des filières. La fin des filières et le retour des directeurs par écurie. C'est en tout cas en pourparler. Il y a énormément de chances qu'on retourne sur un système comme ça, avec un système de direction un peu encore plus poussé qu'actuellement. On va se creuser la tête. Et d'abord, on va terminer cette saison 9 avec la voiture de sécurité qui rentre. Et Little Works qui va refaire le restart sur la Gioia. Et il a parti très tôt, il a surpris la Gioia. La Gioia qui s'est fait légèrement endormir. Ouais, il nous a même surpris nous. Très beau restart de sa part, c'est Ten qui se décale, qui passe pas. Ouais. Derrière ça suit bien. C'est beau, belle relance. Ils sont tous en petit train, ça se décale devant. Le Messin qui va passer sur Digitrashko. Et c'est passé pour Fury sur Koro Sensei. Oh, Fury, tension. Oh, c'est osé. Ouais, sur Dim Resort à l'extérieur. Oh, c'est très, très, très osé. Oh, ça se touche un peu. Ouais, il y a eu contact là. Très léger contact, c'est roue contre roue. Fury agressif qui passe sur le pilote. Ouais. Aston Martin qui se jette, oh là là, il a pas aimé se faire doubler dans le sinueux. Mais malheureusement, ça passe pour Fury. Il s'est fait doubler le pilote Aston Martin, Fury qui a pas de temps à perdre. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, mais là il est pas mal. Il est en feu le pilote Ferrari qui double Max Pot dans la montée. Qui ne résiste pas. Mais Dim Resort qui risque du coup de passer aussi sur Max Pot. Ça va être chaud. Il va plonger à l'intérieur Dim. Non, non, il n'y va pas, ça passe pas. Il est passé, il est resté devant Max Pod. Oh, et devant, c'est à la bataille entre Raven et Spanish, ça sort large pour Spanish. Oh, c'est sorti, il s'est raté Spanish. Contact ou pas. Il s'est raté, le pilote AlphaTauri. Attention, Fury qui vient se montrer derrière Spanish. Ouais, mais je pense que Spanish il a même pas vu, donc faut faire attention. Oh, il jette ici, c'est risqué. Là, il l'a vu. C'est collé, c'est serré entre les deux. Spanish qui veut lui. Il va se faire doubler par l'extérieur. Voilà, ouais, Fury il a des pneus médium, il a une meilleure passée. Fury qui fait une belle remontada hein, et il double dans le sinueux en plus. Oh, derrière, c'est serré entre Koro, Dim et le Messin. Koro qui vient se présenter à l'intérieur, non, qui s'est juste montré dans les rétros. De la stone. Attention à McQueen qui est collé à Angelo devant pour la cinquième position. Ouais, ça va y et aller. Ça passe. Ça passe pour McQueen. Ouais, c'est passé. Sur Angelo.
La Red Bull meilleure que la Ferrari sur ce début de Grand Prix, mais la course est longue. Attention, Dim Reser, Tespanich aussi à deux de front dans le premier enchaînement. Ça passe pour Dim et Koro qui va en profiter sur, sur Spanish. Delta qui passe Fonky, Fury qui passe Raven. Le Messin qui passe Spanish, c'est chaud. Oh, c'est serré. Oh, ça glisse pour Spanish. Oh, il a failli se le prendre, hein. Le prendre sur l'extérieur. Et Dizrachko qui va passer. C'est collé. Oh, ça passe pas deux, les gars. Spanish, quelle mauvaise relance de safety car. Pas à l'aise du tout, il veut pas prendre de risques sur les autres. Oh, Trashko qui se loupe un peu au frein, mais qui va garder l'avantage. Effectivement, ouais. Un petit peu au niveau de Franky Delta et Pedro. Pedro qui est bien dans sa course. Il va sûrement se faire attaquer la part Delta, mais il est bien dans son Grand Prix, le pilote Alfa Romeo. Et la Joya qui va mettre la pression à Little. Oh, ça plonge pour Delta sur Pedro à l'extérieur. Franky qui va essayer d'en profiter. Bien défendu de la part de Pedro. Ouais, il a bien fermé la porte, Pedro. Il l'a emmené vers l'extérieur, hein, un peu de manière agressive, mais c'était pas mal. Mais Delta qui n'a pas dit son dernier mot, il va tenter encore par l'extérieur. Ouais, Franky qui va plonger à l'intérieur, non ? Pedro qui défend plutôt pas mal sur Delta. Attention, parce que Franck, derrière aussi, on a Franck, Fury et Worksbode. Hop, j'ai fermé une fois de trop. Et Fury, il a pas Fury le temps. Fury qui va plonger à l'intérieur. Oh, Worksbode qui fait avec qui tape Franky, qui tape Fury. Fury, c'est fini. Oh, la caisse, on l'a vu, c'est Fury qui a pas de chance, là, cette fois. Ah, il a été malheureux, là, le pilote Ferrari. Ah, on l'a vu, c'était serré, c'était collé. Trop collé pour certains pilotes. Worksbode qui a freiné un peu tard et qui est venu qui a freiné trop tard, mais en fait il a freiné trop tard parce que Fury l'a attaqué et il s'est dit je vais freiner encore plus tard, sauf que ben devant ça freine normalement. Aïe, dommage, c'était dommage. Ah, Fury il a vraiment pas de chance, hein. Il faisait une magnifique. Ouais. Il doit être dégoûté et le problème c'est que ça relance la troisième position puisque les McLaren sont 8 et 10 et Angelo est 6e. Là ça relance surtout tous les pneus médiums qui vont pouvoir box mettre des hards et aller les. Logiquement, très largement au bout. Oh, très largement, tout à l'heure on parlait que ça allait être 2-30 tours. Ouais, c'est vrai. Ça va être tendu quand même, mais bon, ça peut le faire. En tout cas, plus qu'avant, en tout cas. C'est vrai que Franky et Worksbode, du coup, sont pas mal. Ça répare l'aileron. Ça a changé d'aileron. Et ça repart devant Worksbode. J'espère pour Franky qu'il n'y a pas autre chose que des dégâts ailerons avant, mais j'ai peur qu'il y ait du dégâts ailerons arrière, voire du fond plat. J'ai envie de te dire qu'on va vite le savoir, parce qu'on va vite le voir dans la façon de conduire du pilote à Williams. J'ai pas eu tant l'impression que ça qu'il s'est pris un énorme coup. Hein. En tout cas, deuxième safety car en 12 tours. On n'avait pas été habitué à beaucoup de safety car hein, en élite. Voilà, c'est vraiment un concours de circonstances. Hein, c'est vraiment dommage. Je sais pas si Fury peut venir en commentaire nous dire un peu. Ou Papa Fury peut-être. Donc, j'ai pas entendu, t'as dit quoi? Est-ce que Fury peut venir en commentaire nous dire sur le Twitch son ressenti ou son papa? Ceux qui nous regardent. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire pour Fury. Pas de chance. Je crois qu'il a pas eu de chance et puis peut-être une réaction par rapport à sa saison, je ne sais pas s'il a envie. Ok, il faisait une très belle remontée, c'est dommage. McLaren 8 et 16. Ferrari 6e. On va suivre ce duel à distance pour le constructeur. Ben je vais faire un petit point hop tout vite. Dis-moi en constructeur combien de points d'écart entre la Ferrari et la McLaren. Ben, je vais le mettre, ça va être plus rapide si je le trouve, mais vraiment il est ici. Et puis si tu peux nous faire en commentaire, comme tout à l'heure, un pari sur qui. Est-ce que McLaren va finir devant Alpine ou non, si on peut faire un prono sur ça. Je peux faire ça. Bah, si tu peux ouvrir ça pour ceux qui nous regardent. Le problème, c'est que si. Je peux pas mettre deux prédictions.
Ah mince, c'est une par live? Bah non, bah en fait le problème c'est qu'il faut que je valide la première prédiction pour remettre une prédiction. D'accord, ok. Bon bah alors, c'est moi. Bah dites-le nous en commentaire à l'oral comme ça. Que pensez-vous? Qui va gagner le championnat constructeur entre Ferrari pardon, et McLaren? Ouais, Enfin, qui va pour moi gagner? là, Qui on a sera le plus 3 points haut? d'écart entre McLaren et Ferrari. À l'avantage de qui? À l'avantage de Ferrari. Ok, donc il faut que 3 points soient récupérés par McLaren. Il faudrait que Wartburg ouais, soit remonte un peu au classement. Mais si ça arrête plus, il C'est va ça. remonter forcément. Et la On safety va car suivre qui tout ça en tout rentre? cas. Un safety car qui rentre et on va être reparti. Et il a relancé. Et cette fois, il s'est pas fait avoir la joyeuse. Un petit peu En quand tout cas, même, il a pas été le moins plus proche qu'avant. possible. Et Zlatan par contre qui est proche de Tifo qui va plonger à l'extérieur. Oh, c'était il est bien. Oh, Ouh, c'était chaud. il s'est C'était passé très pas chaud. et Tifosi qui a réussi à défendre. Ouais. Oh, ça se décale Attention, devant. Angelo sur McQueen. McQueen, ouais, McQueen qui a décalé. Angelo est pas mal. On a une belle vue quand on voit la vue dans là. Les duels de partout, devant, derrière. C'est très très serré. Ils arrivent là dans ce tour 14. Sur la remontée, la dernière accélération de ce Tour du Brésil. Angelo qui est collé aux échappements de McQueen, qui lui-même est collé à Zeten. Il va le tenter. McQueen qui va la tenter face à Zeten. Il va plonger à l'intérieur. Ouais, il se décale, il plonge. Oh, c'est chaud, il monte un peu sur le vibreur. Il est bien placé ici. Angelo qui regarde tout ça de l'extérieur. Et qui va être très très bien placé pour aller attaquer la Mercedes. Il est passé, Zlatan McQueen. qui vient se remettre derrière. Attention, drapeau jaune, c'est Ça Raven a à la faute. cassé. Et safety encore, je crois. Ouais, safety car. Alors qu'on n'a pas Oh, trois d'abandon. safety cars. Trois safety cars. En 15 tours, c'est pas fini. On est qu'à la moitié de la course, même pas. Oh, ça fait beaucoup là. La safety qui sort un peu pour rien là. Désolé de le dire. Ouais. On aurait dû avoir une. Une VSC, Là, on ça aurait aurait dû avoir suffi. une VSC. Voilà. Oh, autant les deux premières, allez, pourquoi pas, autant celle-là, vraiment. C'est vraiment dommage. Les pilotes qui sont pas là pour rouler sous safety. Ça fait l'affaire de tous les pilotes en hard, hein, cette safety car. Ça fait même l'affaire de Koro Sensei et d'Im Resort. Hein. Koro Sensei qui va peut-être pouvoir finir. Oh, ils rentrent Mais ça tous! bosse pour tous les médias, pour tous les hards? Bizarre. Tous les hard qui rentrent au stand, sauf les, sauf, Zlatan et sauf Delta. Delta et Zeten. Et Delta, du coup, qui est en super position. Delta qui est super bien. McQueen qui a perdu gros. McQueen qui se retrouve derrière Angelo, Tifo, Pedro, La Joya. Enfin, La Joya, c'est normal, Aïe et aïe aïe, Tsebloris, McQueen mais avec le ouais. double arrêt, ouais, avec le double arrêt côté Red Bull. Ouais, des softs pour Littleworks. Oh, est-ce qu'il s'est pas trompé? Oh, bah si, c'est Est-ce sûr. qu'il s'est pas trompé ou alors est-ce qu'il tente un truc ultra agressif de faire soft soft? C'est Bah, possible, est-ce qu'il espère une franchement, safety car et il tape soft soft? ça sert vraiment à rien de faire ça. Bah, tout dépend, on va pas juger, on est commentateur, mais c'est assez osé en tout cas, mais ça peut payer, hein, pourquoi pas, hein, pour le pilote RB Red Bull. Tout cas, s'il arrive à remonter tout le monde avec les softs, il s'est dit peut-être que je dois remonter tout le monde. Et il veut les remonter rapidement. Là, avec les softs, en tout cas, il va les monter, remonter rapidement.
Simplement, il faut qu'il y ait une safety car dans 9 ou 10 tours, quoi. Il faut à tout prix qu'elle tombe. Ouais, il faut qu'elle tombe très vite, mais je pense plus que c'est une erreur. C'est une erreur. Ah bah, par contre, si elle tombe dans 10 tours, il est bien. Hein. Ouais, tu fais pas 10 tours sur les softs. Hein. Bon, on verra. On verra pour le pilote Red Bull ce que ça donne. Surtout qu'il est. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est le seul hein, en soft, Little Works. Là, va falloir être méga agressif alors qu'il était entre guillemets premier. Ouais, ça ressemble quand même à une erreur ou alors à un pari très. C'est beaucoup de risques pour très peu de succès, je pense. Un peu comme la GA Silverstone. Bon, c'est pas vraiment le même. Le même chose, c'est en... il reste oui, du temps, oui, il reste du temps. Hein. Mais oui, oui non, mais c'est beaucoup de risques pour entre guillemets pas grand chose parce qu'il menait et tout. Là, il va être avec des pneus soft, donc il va avoir plus d'adhérence, plus de grip que tout le monde devant. Donc, va falloir qu'il double sans prendre de contact parce que je rappelle qu'on est en simulation, donc un contact c'est un erreur. Sachant que tout le monde va s'attaquer. Ah, ça va être dur hein, pour le pilote Red Bull. C'est même plus dur, c'est presque suicidaire pour moi. Bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, il sera dans l'obligation de doubler à chaque tour au moins un pilote. Hein. Dans la ligne droite, Little Wars, il va falloir qu'il double tout le monde pour se mettre un petit mac là par rapport aux autres pilotes en pneus médium neuf. Parce que ces pneus soft, effectivement, vont chuter d'un coup. La voiture de sécurité qui va rentrer et c'est Zeken qui va nous faire la relance. Sur des hards très très usés. Il va relancer dans pas longtemps. Il a relancé, ça y est. Et Little War qui a fait un départ canon et qui va doubler directement Spanish. Attention à ne pas le doubler avant la ligne. Je crois que c'est bon, c'est passé juste comme il fallait. Spanish voilà. Qui reste devant. Alors là, si tout ça se finit bien. Oh, c'est chaud entre les trois là. Il y a trois de fond. Gitrasco qui s'est raté. Ouais, Pedro et qui c'est qui va en profiter? Qui c'est qui va en profiter? C'est Little. En pneu soft, il a bien fait d'avoir mis les. Oh la Joya. Ils veulent tous les passer. Little qui vient en 4 en un tour. En un virage, attention, pardon. Parce que la Joya est en train de suivre aussi. Oh, derrière, c'est chaud. Derrière, c'est... Bon, ma parole, Gigi Trashko, il a une vue, il se fait doubler de partout. Ah ouais, il est en train de le prendre tarif. Le pauvre, il se prend par les pilotes médium et pilotes en soft. Avec des softs neufs, lui, il a 13 tours d'usure sur les pneus hard. Tout le monde est plus rapide que lui, il se fait dégommer à la Raxel. Le pauvre Gigi Trashko avec les pneus hard usés. J'aimerais pas être à sa place, mais en tout cas, il a très bien défendu, il a été propre. La Joya qui passe sur Franky. Et la Joya qui est juste derrière Little, il en veut. Le pilote Alpine. Et là, Little Works, il a envie dans des coups. Et il va aller chercher Koro Sensei. La McQueen qui est passée sur Worksbode aussi. On a deux trous. Ouais, c'est chaud. C'est passé la fatigue qui se sent encore. Qui... C'est chaud contre Tifosi. Tifosi qui décroît sur Wagner. Tifosi, c'est chaud. Oh. Ça passe par l'extérieur. Oh, ça va plonger pour Angelo. À et Angelo aussi. Angelo pour le constructeur. Entre McLaren et Fefe. Et ça passe pour Angelo passe sur l'extérieur. Ouais. Mais du coup, McLaren est virtuellement toujours devant. Puisqu'on rappelle plus que virtuellement, il est deuxième Delta. Delta est deuxième, mais il y a des pneus usés, donc c'est vraiment virtuel. Hein. On va voir ce que ça donne. Tout repose sur Angelo pour Ferrari. Et Little en full attaque, hein, Koro. Tifosi ouais, sur Franky. Ça passe pour Little à l'intérieur sur Koro. Ça va passer pour l'Alpine. Ça passe pour l'Alpine sur Franky. Ça va passer sur Franky, ouais.
Oh, ça va, il y a Angelo des qui passe. Sur, Angelo qui passe en décroisé. En... Bien joué de la part du pilote Ferrari. Qui a su profiter de la petite erreur de Francky. La Joya face à Koro Sensei. C'est chaud aussi. Little Works aussi face à Zeta. Le trou sur Delta. Ouais, et Little qui a du coup le DRS. Ouais, et Delta. Et pas n'a pas Delta. Lui. Oh, il va le tenter. Il va le tenter, Little. Est-ce qu'il va plonger ouais, maintenant il, va attendre la deuxième salle DRS ici. Sauf que normalement, Delta il aura le DRS pour se défendre, Delta. Ouais, donc ça va pas être la même. Il aurait peut-être dû le tenter. Ah, il n'a pas la voix. Et du coup, ça profite à la Joya qui remonte. Angelo qui est collé aux échappements Tifosi. Tout comme McQueen sur Koro Sensei, j'avais pas vu, c'est très très serré. Ouais, j'avais pas vu non plus. J'étais concentré sur la Joya. Red Bull face à Williams. Oh, il y va. Il y va sans vouloir y aller. Hein. Oui. Il y a une petite glissade de Koro Sensei qui a plus de pneus hard. Hein. Il glisse énormément, j'ai l'impression. Oh, j'espère pas qu'il est au bout de cercle parce que sinon, ceux qui ont boxé à la première, c'est je pense que c'est. En fait, ça doit être la différence entre les pneus médiums neufs. En tout cas, oui, une sacrée diff. Il va passer par l'intérieur. Koro Sensei Tifo qui est passé qui rétrograde, sur rétrograde au 6ème rang. Tifo était déjà devant Angelo. Hein. Okay, Angelo est 8ème, c'est Angelo qui a la chasse de Tifosi. L'Alpine face à la Williams. Oh, attention, il se jette ici, Tifosi. C'est serré. À l'extérieur, plus de traction. Il va pouvoir faire les freins il y va. Au prochain virage. Il y va, il est passé dans le sinueux. Sur la Williams. La réaccélération d'Angelo face à la Williams de Koro Sensei. Avec les pneus usés. Oh, il tente par l'extérieur et ça devrait passer pour la Ferrari. Ça passe pour Angelo. Très beau dépassement, hein, très propre. Et il va se faire attaquer peut-être par Koro Sensei qui a de la pile, mais non, il n'y est pas allé, Koro, il n'a pas vidé la pile. Koro qui n'attaque pas, qui reste en gestion sur Angelo. Ouais, il a Angelo. Entre guillemets pas vraiment le choix. Hein. Oui, c'est avec vrai qu'avec Nusé, ça sert à rien de. Ravan qui est passé qui sur DJ Drashko. Ouais. Et devant, c'est chaud. Le entre Max Pod et le Messin. Ça passera pas à deux ici. Oh, il y a contact. Non. Oh, j'ai cru. Oh, je crois qu'ils sont pas touchés. J'ai eu un effet d'optique. Ouais, ils sont pas touchés, mais c'était en très très chaud. En vue extérieure, j'ai eu un effet d'optique qui est en train de spin le Messin. Ah, bah non, ça va, ils sont toujours là, ils sont pas touchés. Mais c'est très 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 serré. Little Works qui est collé à Delta à la accélération. Est-ce que ça va passer pour le pilote? Les deux auront le. À la fois de l'ERS, à la fois du DRS. Un peu moins pour Little. Ça passera pas. Par contre, Zeten, devant qui tient le rang. Hein. Il n'est pas vraiment ouais. inquiété par Delta pour l'instant. Et le temps qui s'obscurcit. Oh, ça va y aller à l'extérieur Léo. Pour Dim Resort sur Waxball. Ouais, le temps qui s'obscurcit. Ouais, qui se... Et Little qui se fait attaquer par la Joya. Little par la sur la Joya. Oh, pop, oui, c'était chaud. J'y mettais pas un doigt hein, entre. Oh, entre bah là, c'est chaud pneus. Encore. C'est pas fini. Ils sont au même niveau quasi. Il est moins bien placé la Joya. Little est. Oh, il y va. Oh, par l'extérieur, il est passé. Attention, parce qu'il y a Marcin passé... qui va essayer de plonger à l'intérieur. Il est passé devant légèrement les deux Red Bull.
La vue avec ce McQueen, elle est magnifique, effectivement. Oh là là, c'est chaud. McQueen, McQueen qui va y aller. Il plonge. Il plonge ici. Oh, c'est beau. C'est beau et c'est chaud. Oh, la vue extérieure, elle est belle aussi. Entre les trois, là, quand on est sur McQueen. Oh, il est collé. Il est collé, là, la Joya. Il va y aller. Il va y aller. Il s'est déjà présenté à l'intérieur. Et ça va passer sur la... Dans le pilote Little Works, est-ce que son coéquipier va le tenter aussi? Il y oui. va. Il y va. Ouais, il y a une consigne d'équipe. Sont beaux. Il y a une consigne d'équipe, hein. Ça s'est entendu, enfin ça s'est vu. Oui, oui. Les pneus sauf sont morts, donc ça sert à rien. Ah, McQueen qui a dû lui dire à l'oreillette, laisse-moi passer, je vais y aller, je vais l'attaquer. McQueen face à la Joya. McQueen, il veut aller chercher la Joya. Est-ce que ce serait pas McQueen qui va aller chercher peut-être la victoire sur ce Grand Prix? Parce que là, la Joya, McQueen et Little qui sont en bonne posture, on va dire, passe à Delta et Zeten, Delta et Zeten qui vont devoir s'arrêter quoi qu'il arrive. Ouais, qui vont pas tarder, je pense, à passer par les pits, mettre des softs. Bah, ils ne se sont jamais arrêtés, c'est pas compliqué. Ouais. Donc ils auront pas le choix, il faut qu'ils mettent des softs. Ouais, là, s'ils mettent des softs maintenant, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça peut passer. Maintenant ou le tour d'après. Bah, je pense qu'un des deux peut s'arrêter maintenant ou le tour d'après. Hein. On va voir ce qu'ils font. En tout cas, la Joya là qui va se faire attaquer, qui va attaquer pardon Delta sûrement. Aucun des deux ne s'arrête pour l'instant. Ils doivent espérer une safety car, hein, que ce soit Zleten, Delta ou même Little War. Là, je pense que ça espère de tout cœur une safety car. Mais on n'en a plus depuis le tour 16. Ça fait 10 tours qu'on n'a plus de safety car et c'est tant mieux. Et plus de RS aussi pour 3 quarts des pilotes. Ouais, plus rien. Plus ça rien clignote de partout. On pourrait voir le sapin de Noël. Il hein. y a autre chose qui est en train d'arriver, c'est le temps, mon cher Léo. Ouais, le temps, mais ça n'a jamais été aussi sombre. Aussi, je pense qu'on va juste finir sur un temps sombre, mais pas de pluie. Adviendra que pourra. Alors que Pedro s'est raté, hein. Il a 41 secondes de retard sur... Ouais, il a spin à la relance du safety car au premier secteur. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais là, il y a plus qu'un spin, hein, je pense. Hein. Et il est à box pour mettre des médiums. Ah, d'accord. Il y a un spin, un box, ouais. Compliqué. Oh, c'est serré. C'est serré, ça va passer. Oh, l'erreur. L'erreur d'Angelo. Delta au stand. Et Delta au stand et l'erreur d'Angelo, est-ce qu'il a quitté quelque chose? Non, il a juste glissé. Et ça va relancer la bataille pour le... Oh, ça va relancer la bataille pour le constructeur, ça. Ouais. Delta qui... Angelo qui repasse devant Delta, donc ça passe pour le constructeur. Et Delta qui est sorti en médium, hein, aucun risque. Et il va ressortir à la 15e position. Ouais, même peut-être 16, Raven va pouvoir ressortir devant. Non, il va passer devant, il va rester devant, je pense. Ouais, de toute façon, il y aura une consigne d'écurie. Il sera 15. Il sera 15, le pilote McLaren. Et Zleten qui est en train de prier tout ce qu'il a. Oula, attention, c'est serré là entre la Joya. Et Zleten et la Joya qui passe par l'extérieur. C'est chaud devant entre McQueen et Zeten. Ouais, c'est serré. Zeten qui devrait s'arrêter pour mettre des softs normalement. Ah, il va rester. Oh, il s'arrête pas. Il a raison. C'est collé là entre McQueen et. Oh, il se décale. Les stands pour Little Works pour rechausser sûrement des softs. Ah, du coup, ils ont tout perdu, Little Works. Les médiums d'ailleurs, ils n'ont pas de softs. Et Zleten qui met la pression à la Joya. Little au stand pour mettre des médiums. Stratégie parfaite du côté de chez Red Bull, à ce que je vois. Et Delta qui passe devant. Delta qui passe devant Little Works. Little Works qui ressort 15e, Delta 14e. Oh, attention, McQueen sur Zleten à l'extérieur. C'est chaud.
Zetten qui va résister à l'intérieur. Ça passe et à l'extérieur pour Macron. Il va obtenir le DRS en plus. Mais il va se faire attaquer par Tifosi, qui a le meilleur gomme. Attention à Zetten, est-ce qu'il rentre au stand? Faut qu'il garde l'intérieur s'il rentre. Il rentre toujours pas. Il va mettre les softs, hein, Zetten. Oui, oui, oh, bah, c'est sûr. Oh, c'est chaud. Oui. C'était chaud. Il a freiné tôt, McQueen. Oh, attention, Tifo et McQueen. Oh, c'était chaud, il a failli il se prendre la roue. Il va pouvoir décroiser Zetten. Et Zetten qui va pouvoir attaquer derrière. Il a failli se prendre la roue, ça a failli partir en cacahuète là, entre la Red Bull et la Alpine. Ça va, rien ne s'est passé de grave. Ouais, c'est fini pour le Messa et Max Pod. Oh, ça a craché fort. Ça a craché très très fort. Oh, ça a fini pour Little Works aussi, qui les avait pas vus. Oh, il les a pas vus. Raven, Raven qui Raven passe au milieu de tout ça. Qui roule dedans, qui roule dans les débris. Oh, Little Works qui s'est pris de plein fouet les deux là. Oh, il a pas de chance. Il a pas de chance, Little Works. Bon, après, il a pas fait attention non plus parce que. Ah, il est arrivé comme une balle, mais il a pas fait attention. Compliqué en plus. Du coup, safety car. Et du coup, ça profite à. Ah, pas grand, parce que tout le monde va rentrer mettre des softs. Enfin, oui, Zetten, oui. Parce que tout le monde va rentrer mettre des softs. Et Delta qui doit se mordre les doigts d'être se arrêté deux tours avant. Pour mettre des médiums. Comment anticiper ça? Impossible. Voilà, si tout le monde s'arrête de mettre des softs, il est pas mal. Oh, mais ça s'arrête pour la Joya. Ça s'arrête pour McQueen. Ça s'arrête pas pour Tifo. Pour Tifo. Ça s'arrête pour Coro. Ça s'arrête pour Angelo. Tout le monde va mettre des softs. Tout le monde va s'arrêter, c'est sûr. Sauf ce Tifosi. Ouais, sauf Tifosi. Mais ça m'étonne pas de lui. Bah, il pourrait garder une bonne position en vrai. A voir. Ouais, mais le problème c'est qu'il aurait perdu quoi? Deux positions. Delta ça rentre pas du coup, ça reste en médium. Non, Delta c'est le jeu hein. Là faut qu'il récupère plein de positions. Même pour le constructeur, c'est le jeu, il va devoir défendre. Faut qu'il ressorte le plus haut possible à la ressortie. Il va ressortir 3 places derrière lui. Ça va être tendu pour Delta. Qui ressort à la ligne devant. Devant la McLaren de Zetten. Il veut refaire Japon, nous dit Frenchy par rapport à Tifosi. Ouais, je pense pas que c'est la bonne solution. 14 tours d'usure sur les médiums, c'est beaucoup quand même. En tout cas, il risque de se faire déboîter par des pilotes en soft, hein, à la réaccélération. Donc il va falloir faire attention à pas glisser et à rester propre dans les défenses pour Tifosi. C'est sûr. On espère qu'il conserve sa position, mais ça me paraît bien, bien compliqué, là. Enfin, surtout qu'il a son coéquipier derrière, donc il n'y a aucune raison qu'il ne le laisse pas passer rapidement. Allez, Max Pod le message, j'ai pas vu si c'est passé entre les deux, je sais pas si t'as eu une... Bah, j'ai vu l'un dans l'autre, mais j'ai pas vu plus que ça. Oui, on rappelle que ce n'est pas un film à caractère... Je pense qu'il y a eu un spin de Le Messin et je pense qu'il l'a pas vu. En tout cas, ouais, Little Wars qui se l'est pris de plein fouet, ça c'est une sacrée surprise. Angelo 7ème et Warsbo dans McLaren 10ème. Et Warsbo, il peut jouer les troubles faits, il y avait 2 points d'écart, tu m'as dit. Si Warsbo finit 9ème, il corrige les 2 points d'écart. Et du coup, c'est un duel entre Delta et Angelo. Celui qui fait le plus haut entre Delta et Angelo ramènera le. Il y a Warsbot qui ramène un place point là pour le moment. Bah, c'est ce que je dis, s'il passe 9ème, il en ramène 2. Et s'il en ramène 2, ça enlève l'écart entre Ferrari et McLaren. 3. Donc, il y a 3 d'écart. Il y a 3 d'écart. Bah, de toute façon, même s'il en ramène 2, si Delta ou Angelo, s'ils finissent l'un ou l'autre devant, vu que ça joue pour la 4ème ou 5ème place. Ce sera le classement final entre Delta et Angelo qui déterminera. C'est la 3 ou la 4ème place. C'est ça. Ouais. Puis on a aussi McLaren. Un duel entre Williams et Alfa Romeo. 9 points d'écart entre les deux. Sachant que Coro est 6ème. Non, mais Alfa Romeo ça va être compliqué. Regarde. Max Pod vient d'abandonner. Ouais, et mais Max... Pedro est 14ème. Ah oui, Alfa Romeo a 9 points de retard, pardon. C'est Williams Je qui devrait sécuriser. C'est Williams qui était. Ouais. Et Alfa Romeo malheureusement qui risque de finir derrière Williams. Est-ce qu'Alfa Tauri peut passer? Non. Non, faut que ce soit Alfa Tauri actuellement. Faut que Spanish marque 3 points de plus que Pedro, donc faut qu'il monte au moins 8ème. Il a 3 positions à gagner le Spanish. Oh, ça peut se faire. Hein.
On aura deux tours de DRS ou un seul, trois tours de DRS, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, par contre, les pilotes qui doivent remonter à fond leur pipile. Et d'ailleurs, heureusement qu'il y a eu ça tours, parce que. Deux tours de DRS, Frenchy. Ils étaient tous à sec. Bah, la safety car qui va rentrer dans ce tour 32. Hein. C'est quasiment sûr. Vu que Pedro va rejoindre ce petit groupe. Je pense que ça va relancer à la fin de celui-là, donc on va avoir le DRS au fin du 34. Oui. Derrière la belle Aston Martin. Safety car Aston Martin. Les Alpines qui aura fait une sacrée saison. Hein. T'entends? Oui. Je disais Alpine qui aura fait une sacrée saison. Ouais, Alpine qui va. Qui va? Sandor? Qui a su gérer cette saison, hein. Et qui va pouvoir faire encore quelque chose de solide, je pense. On va voir ce qui pour la saison prochaine, ouais, on verra ce que ça donne. Tifosi qui a surpris son coéquipier. Est-ce qu'il a vraiment surpris ou est-ce que c'est la Joya qui a... Je pense parce que regarde, il est collé. Et la Joya va se faire attaquer de tous les côtés. Ouais, il est trop de front. Oh, il y a un aileron qui est parti. Zlatan qui glisse. Et Zlatan, il vient de tout perdre. Et je sais pas c'est quel est l'aileron, mais c'est soit celui de la Joya, soit celui de McQueen qui a volé. Je vais te le dire tout de suite. C'est celui de McQueen qui a pété à gauche. Ouais. McQueen a l'aileron légèrement cassé. Oh, attention parce que c'est proche entre Angelo et Franky. Et Coro, pardon. Oh là là, Coro par rapport à Delta qui vient de perdre une position. Ça avantage Angelo. Angelo face à Delta, la bataille pour le constructeur, elle est là. Angelo, est-ce qu'il va se jeter? Non, il a joué sécurité. Il a encore 3 tours pour doubler Delta et refaire passer Ferrari devant McLaren au constructeur. Parce que pour le moment, McLaren est devant. C'est Ferrari. McLaren est devant. Ça joue à un dépassement entre Delta et Angelo. Oh là là, ça va être tendu. Ça va être tendu, Angelo qui a des meilleures gommes. Mais Delta qui est collé aussi au pilote de devant. Delta qui va devoir attaquer. Oh là là, ça va être chaud, ça va être chaud. Oui, ça se décale devant entre McQueen et Angelo. Angelo, faut qu'il soit patient, Angelo. Il est moins bien placé. Il y a contact aussi devant entre la Joya et McQueen. Oh, il s'agisse pour la Joya. Et c'est fini pour Delta. Delta qui est emmené. Il a pas de chance. Il a pas eu de chance et la Joya non plus. Ça plonge pour Coro sur McQueen. Oh là là là. Pas de chance du tout. Et du coup, Angelo, est-ce qu'il va réussir à... Oui, bah... Oh, là, je vais dire, est-ce qu'il dommage. Va réussir à remonter sur Tifo, mais oui, il a pris 3 secondes en un virage. 3 dixièmes en un virage. Attention, on va aller du côté McQueen a beaucoup perdu et c'est Angelo qui a tout gagné. Hein. Angelo qui peut même aller chercher la victoire dans ce Grand Prix du Brésil. Angelo qui va même sûrement aller la chercher. Angelo qui est très très bien placé en tout cas là. Et ça va entériner Ferrari à 3ème position. Il dit merde mes points de chaîne, la Joya tu fais chier. Pour rester poli bien sûr. J'en ai perdu aussi les points de chaîne. Et Pedro qui passe sur Spanish. Agressif le ped. Et la victoire effectivement tu pourras valider le truc et sera pour un autre pilote. Que la Joya qui ne gagnera pas ce Grand Prix, c'est une certitude. On a un duel aussi entre Spanish et Pedro pour Delta, c'est fini. Oh ça la casse. Oh et attention, il y a Dim Resort
en travers et puis ouh, on a c'est pas, c'est, on a c'est pas Zlatan. Stupide. C'est pas non, stupide c'est sur Zlatan. McQueen, McQueen il a plus d'aileron et il s'est passé quoi? Dim Resort, Dim Resort cassé. C'est fini. Ouh c'est chaud là dans cette fin de Grand Prix. Ouais. On n'est pas sur la meilleure fin de Grand Prix de la saison. Non, c'est vrai, hein, c'est pas très très joli. Et du coup, Tifosi qui devrait garder sa troisième place aussi au classement au classement pilote. Oui, ça devrait être pas comme, mal le fait d'avoir. Comme Little Wars, s'il continue comme abandonné. Ça, et c'est pas gagné, c'est le dernier tour. C'est pas gagné pour Angelo par rapport à Tifosi. Ouais. Il a plus de piles, il a ça. Tout donné. Il a plus de ouais, piles, ça va être très c'est dur d'aller le doubler. 30% Tifosi. Et ouais, il a certes une meilleure gomme Angelo, mais il a plus rien. Il a une meilleure gomme dans Sinueux, 20 tours du jour pour Tifosi. Arrête, est-ce qu'Angelo va se jeter pile, Angelo. N'utilise pas maintenant, elle sert ouais. à rien. Il est bloqué avec la pile activée. Oh, il a cassé. Oh, c'est oh, fini là, là. Oh, et Tifosi qui va perdre tout. Et Tifosi qui et perd c'est tout. Et c'est Koro qui va s'envoler pour une victoire. Sa première Koro, victoire en course principale. Oh le gagner. Doublé! Le doublé Williams peut-être! Alors Frankie, peut-être! Frankie, attends, bah là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est possible, Tifosi, je sais pas s'il a freiné plus tôt, faut tout donner. Je sais pas, c'était très 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 chaud. Oh là là, en tout cas, Koro Sensei qui et la victoire gagner, de Koro! Après une Koro première Sensei. Victoire pour lui cette saison en course sprint au Japon, il va venir gagner la course principale ici! Au Brésil, victoire de Koro Sensei. Incroyable, elle est et pas deuxième du tout place attendue. Pour Tifosi qui va résister quand même à Franky. Franky qui fera une troisième position. Pedro Franky, quatrième, on aura podium pour Franky. Roxbot oh cinquième, Spanish 6. On aura Raven 7, Zlatan 8, Trashko 9. On aura McQueen 10 et la Joya qui va finir 11e. Oui. Quelle fin de Grand Prix, quelle mais fin qui, de Grand Prix. Mais qui aurait pu le voir ça? Oh là là, il y a un... qui doit être dégoûté, c'est Angelo. Angelo qui a 4 virages de la fin et attaqué pour une première position et qui finira 12e. Qui ne finira pas plutôt. Qui ne finira pas et qui finira 12e sous le classement. Et la Joya qui va fêter avec un petit. Ouais. Oh là, il est réussi pas trop. Il verra ça, c'est bon, celui-là il est réussi. Qui nous fait des petits donuts pour fêter son titre. À la CFFR saison 9, le titre. Et ouais. La fin de pour saison. Pour le pilote alpine. Là, je veux dire qu'on n'aura pas 9. Fait une fin de saison rassurée. Il finit sur deux courses hors des points, mais il est quand même champion. Il avait un matelas d'avant. Le pilote alpine. Alors, pilote du jour. Ah, bah c'est Koro. Et du coup, victoire de Koro Sensei. Qui est la couronne de fleurs. Devant Tifosi. Devant Franky. Incroyable. Ouais, quelle fin de course. Quelle fin de course mouvementée. On finit la saison en beauté, avec beaucoup de surprises. Bon, les pilotes, on espère que ça va bien se passer, les gars. Ça reste de la course. Il s'est passé beaucoup de choses à la fin. Envoyez les vidéos en commission, puis les commissaires s'occuperont de tout ça. C'est le jeu, ça fait partie de la F1, les hauts, des bas. Bon, on pense bien évidemment là, tous les pilotes qui ont eu beaucoup de bas, hein, les pilotes qui n'ont pas eu de chance. Que ce soit Cabrosa, Fury, Max Pod, Le Messin, Little, Delta, Dim Resort ou Angelo. Et félicitations à tous ceux qui ont terminé également. Félicitations à tous, hein, tout simplement. Pour la saison, que ce soit toi, au commentary, les commissaires, tous les pilotes. McQueen, La Joya pour son titre. Trashko, Zlatan, Raven, Spanish, Warsboat, Pedro, Franky Tifosi, Koro Sensei qui a gagné son premier Grand Prix à la CFFR Elite au dernier GP. Il fallait attendre le dernier GP cette ouais, saison. Il fallait attendre très très tard pour Koro, mais elle est là. A pu aller mériter, il fait une très belle saison, lui qui venait de l'expert, hein, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Qui fait une très belle saison, qui avait chopé le titre en expert ou... Oui, champion expert. C'est ça, hein. Champion expert sortant et qui vient gagner sa première course en élite à la dernière course.
ça nous promet une sacrée marge de progrès pour Kuro Sensei sur la prochaine saison qui sera, est-ce que tu veux le dire? On le dira après, j'ai une petite affiche Allez. qui va aller avec. Ou on peut le Allez, ça faire marche. maintenant, n'importe. Bon, comme tu veux, comme tu veux. On va juste attendre tout le monde comme ça c'est déjà ça. Allez, on annoncera tout à l'heure. Tu me dis dès qu'ils sont là, parce que du coup je sais pas comment ça se passe là pour les invitations. Vu qu'on est sur. T'inquiète pas, ils rejoignent la file d'attente et je les bascule ici. Allez. Je te laisse gérer. Si tout le monde est au courant, c'est tout bon. Quel grand prix en tout cas, je m'y attendais pas encore une fois. On a été surpris. Surpris de toutes parts. Et du coup, pour les paris, toutes les ouais. personnes qui ont parié, il y a quand même une personne qui a gagné coup et qui a gagné. Alors, pourquoi Et chaque Pedro, fois ouais, que je regarde? Pedro qui finit très haut, hein, du coup. Hein. Ouais, Pedro qui est bien remonté. Il est très très bien remonté. Bon, ce qui paraît, il y a C'est une erreur bizarre. de, ouais, il y a une erreur dans le Ouais, vocal, hein. Ça n'arrive pas. c'est ce que je suis en train de voir. Mais ouais, à chaque fois, ça le. Si je le mets comme ça. Ouais, non, j'ai alors là. Effectivement, un Warzbot qui se prend énormément de points de chaîne dans la poche pour acheter des trucs, modifier des émoticônes, débloquer des images. Ou encore parier pour les prochaines fois, il y aura de l'argent C'est ça, c'est sur la ça. point de chaîne. Alors. Non, je peux pas les deux, hein. Les aléas du stream, hein. Désolé pour ceux qui regardent. Ouais, non, mais On va là. essayer de. Ouais, non, mais c'est bon, On n'y je sais arrive ce pas. que je vais faire. Malheureusement, entre guillemets, ben, clôturer, hein, ça va être compliqué de relancer un live et de refaire juste des. Ça ferait chier pour la dernière, mais bon. Si j'enlève les permissions. Si je retiens 2, que je retire 4. C'est pas grave, Bastien qui nous dit j'ai plus de points. Mais en regardant les lives, de toute façon, on en récupère. Donc ce qu'il faut faire, c'est les prochains lives de la CFFR. Et il y en aura, parce que c'est encore pas officiel, hein, mais on va essayer de le faire. À l'époque, Ouais, je vais. il y avait des events entre les saisons. Et je te laisserai l'annoncer, mais la prochaine saison, elle est pas tout de suite. Ouais, on aura une belle grande pause. Hop, Il va y voilà, avoir la plus j'arrive à grosse mettre tout le pause monde. qu'on a jamais eu à la SFFR. Il va y avoir une sacrée pause, mais pour une raison bien particulière, je te laisserai l'expliquer. Ouais. Mais en tout cas, pendant Il y a cette que pause, on ne vous fera qui pas j'arrive rien. pas. Non, bah, Et il y je aura sais pas. sûrement un événement d'été. Hein, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent piloter. Vous pourrez vous inscrire à un événement d'été. Et on fera un truc un peu spécifique. De toute façon, Qui on va y n'aura aller rien à maintenant. voir avec la saison, vraiment à part entière. On va en parler tout de suite de la prochaine saison. Voilà, rendez-vous en septembre. En septembre pour la saison X de la CFFR. Donc oui, oui, saison 10. Comme tu le disais, du coup, Mathieu, on va avoir une très très longue pause parce que. Ce jeu a entre guillemets des problèmes. On arrive déjà sur le mois d'avril, fin avril. Donc le temps de mettre en place la saison 10, on la commencerait pas avant début, voire mi-mai. Donc on va arriver après, du coup, directement sur l'été. Oui, c'est ça. Il y a le nouveau jeu aussi qui arrive juillet. Francky, je crois que c'est ça. Toi qui sais les dates. Oui.
Oui. Oui, j'ai réussi à tout régler. Oui, du coup. Ah, on n'entend personne. Pardon, 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 pardon. Non, on n'entend personne du tout. C'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vous énervez pas, ça va aller. Hop. Voilà, ce sera mieux là. Normalement. Non, pas encore. Attendez. Ce caster commence à me. Hop, si je fais ça et que je fais ça, normalement on les entend. Vas-y, parlez. Ouais, vous Oui, m'entendez? voilà, c'est bon. Bonsoir, Voilà, bonsoir. c'est bon. Voilà. Donc oui, pour revenir, du coup, saison 10, septembre. Et d'ici là, comme le disait Mathieu, on mettra en place. Des On événements mettra d'été, en on peut place appeler des ça comme événements ça. d'été, voilà. Entre, bah, je pense plus qu'on attendra le nouveau jeu pour les événements. Là, on va vraiment vous laisser une pause à tout le monde. Je pense que on l'a vu ce soir, tout le monde a besoin d'une pause. C'est pas Donc, sûr qu'on fasse qu'un événement sur le 23. On verra peut-être un sur le 22. On verra, mais en tout cas, on meublera, quoi. Enfin, on fera pas rien pendant trois mois oui. et demi. On fera pas rien pendant 3 mois et demi, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis de toute façon, je pense que on verra, mais je pense que le live de présentation déjà tombera soit le dernier week-end d'août, soit le 1er de septembre. Bon, ça, je pense que ben, Francky est là, si on l'entend, il peut en parler. Oui. Pour Merci l'instant, on Francky. verra. Ça, on verra. Il y a Faudra, je pas peux de, prendre si on veut l'envers. être précise, il n'y a pas le temps. De toute façon, les Il n'y a pilotes, pas ils seront d'appétit, sur sinon les pour comptes l'instant, sociaux. faut qu'on voit ce qu'on fait. Encore, on est encore en discussion, donc on verra. D'ici quelques semaines, on aura plus. On aura une meilleure vision, donc on verra. Voilà. En tout cas, bon, ben, on avait commencé à parler de ça. Ce qu'on peut faire, c'est les interviews déjà. Qu'on n'a pas Ouais, fait. Des ben. interviews par rapport à ce Grand Prix. Moi, je te laisse les faire. Ben on va commencer par les interviews de la soirée. Après, on finira par les interviews de la saison. Donc, on va commencer par le troisième. Francky, re-salut à toi, du coup. Salut à toi, Francky. Bonsoir. Ben je vais te laisser nous raconter un petit peu ta qualif et ta course. Bon, la qualif, j'ai réussi à me qualifier en Q1, Q2, enfin Q2 et Q3, et un peu à l'arrache, mais avec cette pluie. Et après, bon, le Q3, de toute façon, j'aurais pas fait mieux, enfin, un petit peu peut-être, mais voilà. Après, la 7ème, c'était bien. C'était pas mal déjà. Il est 22h40. Pour écouter vos Après, notifications, vous pouvez merci. C'est quoi ça? C'est quoi Merci pour cette intervention. ça? Je sais pas qui fait ça, Du mais. début de course, voilà, je prends un peu le départ. Pedro passe l'accélérateur devant, j'essaie de suivre tout le monde. Je reste accroché à Pedro, en gros, après le dépassement de Delta et McQueen qui reviennent derrière. Je sais pas, après, je suis premier essai. Ouais. Après le deuxième essai, je me fais un peu rentrer dedans par une McLaren. Donc, ça m'éclate un peu le diffuseur, fond plat et l'aileron. Donc, je mets les hardes. Et après, bah, je suis, voilà. Jusqu'à ces petits quarts d'après où je mets les softs comme tout le monde. Et là, c'est plus une course, quoi. Pour être honnête. Ouais, non, mais. Donc voilà, ce qui devait être une belle dernière de se finir en dernière dégueulasse, pour être honnête. J'ai vu de ce soir, Oh, c'était pas beau. il y a encore eu. C'est pas dé... C'est Enfin, faut pas non dégueulasse. plus. Ouais, mais faut pas non plus, comment dire. Pas tout Ah, ça faire. enlève Ouais, il y a quand même. ça enlève rien Corot, aux très performances belle de victoire. Coro, Toi, très beau de Coro podium. Et et puis, tout le monde a bien roulé. de Après, sur la Coro, et fin, voilà, mais. les quelques derniers cours ont été un peu trop agressifs, on va dire. Ouais, mais c'était pas beau. C'était dégueulasse. Donc, on ne doit pas voir ça. Désolé. Donc, vivement la pause pour ce monde. Et voilà. En tout cas, ouais, il y aura du travail en commission pour ce dernier Grand Prix, c'est sûr. Mais Mais. GG à Kourou et la Tifosi qui font 1 et 2. Et à ceux qui ont fait des Félicitations. courses derrière. Voilà. Et félicitations à toi aussi.
Et quand même aussi pas mal de malchance. Hein. Beaucoup de pilotes se sont pris des incidents en pleine face. On pense à Little ou à d'autres qui se sont pris des incidents sans le demander. Delta aussi qui s'est pris la Joya sans rien demander. Je te laisse continuer, Léo. Vas-y, enchaîne, je te vois bien parti. Non, vas-y, fais les interviews. Oh putain. Deuxième, Tifosi. Calif, tu pars P3. Je pense un petit goût amer quand même du résultat, mais je vais te laisser un peu nous raconter, comme d'hab, Calif et ta course. La qualif, ça a été, en vrai, normal. P3, j'aurais pas pu faire mieux de toute manière, parce que Little et Adri, ils avaient fait des gros tours. Donc voilà. Et la course, en vrai, ça s'est bien passé. Les deux premières safety cars nous ont un peu mis le seum à Adri, parce que c'est pile à ce moment-là où on était vraiment collé au cul de Little et qu'on allait probablement passer. Bim, safety car, deux fois de suite. Après, on rentre net les médiums et Little, je pense que le jeu, il a dû percher et ça lui a mis les softs. À partir de là, c'était cuit, quoi. Déjà, là, ça a été chaud parce qu'on était... En fait, après, à la relance, il y avait tous ceux qui étaient restés en hard, tous les médiums derrière. Il y a trop d'écart de pneus. Du coup, ça a été un peu le bordel, même beaucoup le bordel. Et après, la fin de course, Adri il me dit qu'il veut mettre des softs. Je dis vas-y, rentre, et moi je rentre pas. Parce que de toute manière, j'ai rien à gagner quoi si je rentre avec toi. Je vais ressortir derrière McQueen quand même. Je vais rien gagner quoi. Je dis vas-y, je reste en piste, on verra bien. Il restera 4 tours, on verra. Du coup, t'as bien fait. Ouais, en vrai, j'avais bien fait, et quand j'ai vu que j'avais pas vu qu'on était dans le dernier tour, je croyais qu'il en restait encore un, et j'avais gardé pas mal de RS pour la dernière remontée, et pour pas qu'Angelo me double dans la dernière remontée, mais il y a eu l'incident, j'ai un pélican, il est venu, tacle à la gorge, j'ai fait, non mais what the fuck. Et puis comment t'as vécu, oui, comment t'expliques, t'as pas freiné plus tôt, c'est lui qui a freiné très tard, comment tu le vois toi? Non, mais la même chose qu'avec les hard et les médiums en fait. Il y a eu un écart de gomme de ouf. Il devait y avoir, ça se trouve, une seconde d'écart de gomme, parce que moi j'avais des médiums à 45, un truc comme ça, 45. Lui il avait des softs qui devaient être à 15%, 20%. 10-15, ouais. Ouais, tu vois, donc je pense que c'est ça, tu vois. Les deux ont freiné à leur point de freinage, sauf que celui qui était devant, il avait un point plus tôt que celui de derrière. Et bim. Et puis du coup, j'ai vu Koro passer. J'ai fait, au début, j'ai même cru que Koro, tu vois, vu que c'est un copain, j'ai dit, il va me la laisser, tu vois, il va ralentir. Mais que dalle, qu'il allait lâcher sa première victoire Vilain, quoi. Et du coup, je finis P2. Après, l'objectif, c'était que Little ne prenne pas la troisième place au pilote. Du coup, une fois qu'il avait DNF, c'était bon. Et même une fois après qu'il avait mis les softs, c'était bon, parce que sa stratégie a été ruinée. Mais encore que je pense qu'on l'aurait doublé. Adri l'aurait doublé. Et si Adri le doublait, après, pour moi, c'était bon. Donc, je pense que ça aurait quand même passé. J'étais content du rythme ce soir. Je pensais pas. Little sur le début de course. Little sur le live te félicite. Et puis, il y a aussi ton frère Tifo qui nous a dit Mike regardait la course, il aurait pu gagner sérieux. Oui, c'est vrai. J'aurais pu. Mike regarde. Mais. Ça s'est pas joué à grand chose. Non, ça s'est pas joué à grand chose, mais quand même la fin de course c'était un peu de l'open lobby hein, quand même. Même il y a eu des actions dans la course, c'était un peu Bagdad, hein. Un peu beaucoup quand même. Comme ça sentait la fin de saison. Ça sentait la fin de saison, on va dire. C'était pour nous il y a du spectacle, mais c'est effectivement pour un gérant c'est pas ouf.
On doit mieux finir. Et puis, même cette saison, quand même, ça aurait été beaucoup. Un peu de tout le monde, hein, mais cette saison, quand même, ça a été un peu borderline. Hein. Et faut pas que ça fasse ça pour la prochaine, quoi. Les autres saisons, c'était pas comme ça, donc faut pas que ça devienne comme ça. Parce que là, c'était pas sain, là, cette saison. La plupart du temps. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. On gardera ça, on va préparer, comme on l'a dit, une grosse pause. Il y a 4 mois de pause, ça fera du bien à tout le monde. Ouais, voilà, c'est ce que Francky disait. Et puis c'est vrai, on va réformer pas mal de choses. Et puis on va repartir sur, pas sur des nouvelles bases, on va garder les bonnes bases, mais on va partir du bon pied, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc félicitations pour ta deuxième position. Et merci. Et GG à Koro, hein, quand même. Hein. Merci. Donc justement, on va y venir. Léo. Oui, reste pas loin, Tifo, parce qu'on va revenir sur toi. Juste après ça, là... c'est cadré comme je sais pas quoi. Pourquoi qui j'ai fait? Non, pas toi. Non, c'est lui, il parle du live, il est en train de mettre une affiche en direct. Voilà, Benjamin Dean. Voilà, la victoire de Koro. Première victoire, Koro. Ouais, salut les gars, et oui, première, j'en ai eu une en sprint cette saison, mais c'est pas pareil. Je suis très heureux de tout nous raconter. Ouais, bon, qualification ratée totalement, je perds la voiture, je tape le mur. Donc je pars P15. Je pars P15 et puis du coup je décide de partir en médium pour essayer d'être, on va dire, agressif, mais dans le bon sens du terme au départ, pour essayer de doubler un maximum de pilotes. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Après, mon but, moi, c'était surtout maintenir la place à l'écurie devant les Alfa Romeo. Donc c'est pour ça que j'ai voulu passer Max Pod dès le début. Et puis au fil de la course, à la première safety, j'ai décidé de boxe. Et puis j'ai décidé de faire un long run sur les hards. Et puis bah du coup, bah pareil. Hein, après, bon, j'avais pas le rythme hein, quand les autres ont boxe, les meilleurs, on va dire. Donc je me faisais déposer, j'essayais de rester accroché pour pas perdre trop de temps et gagner du temps sur ceux de derrière. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Et puis la dernière safety, j'ai mis les softs. Et puis, Australie quoi. On va pas se mentir. Australie IRL, mais non, je suis content parce qu'au final, je pense que j'ai, de mon côté, hein, certes, je pense que pour certains ça a été chaotique, mais je pense que j'ai fait une bonne course, moi, de mon côté, niveau stratégique et tout ça. Donc voilà, j'ai été patient, j'ai été intelligent, je pense, j'ai pas bataillé avec ceux qui avaient plus de rythme. Et puis sur la fin, bah, j'ai essayé de raccrocher justement le wagon Tifo Angelo qui s'était un peu envolé, j'ai réussi à revenir. Et puis bah, à la fin, j'ai profité de la collision entre les deux pilotes. Et puis je suis content parce qu'au final ça win. Certes, je suis pas le plus rapide, mais je suis content de l'avoir gagné celle-là. Donc voilà. Et sinon, je suis content de partager ce podium avec Kiki. Pour cette dernière, c'était vraiment cool, je suis vraiment content. C'est vraiment chouette. Et puis aussi bah, avec le copain Tifo. Hein, et je peux te dire, Tifo, t'inquiète pas, Pierre Gasly devant Charles Leclerc, il le laisse pas passer, hein, même si c'est son copain. C'est vrai. Donc voilà, donc non. Et puis bah, sinon, merci à vous pour le commentaire. Mais non, très content de ma course en général. J'ai eu de belles batailles avec des pilotes comme Tim, le Messin, Max Pod. Ça s'est bataillé fort. Et non, ça a toujours été correct de mon côté. Donc je suis passé à travers les dégâts et c'était vraiment cool. Et voilà, donc je suis vraiment content. Et puis bah, merci à vous pour le live. Ça vient clôturer une bonne saison pour ma part, en tout cas. Ouais, une bonne saison d'après titre expert, c'est une belle saison effectivement de ta part. Ouais, c'est ça. Bah, le titre expert, c'était il y a 2 saisons. La saison dernière, je pense que j'ai été épuisé par ma saison expert. Et là, j'avais promis à mon directeur que j'allais lui faire une belle saison et c'est chose faite. Donc je suis content, tant mieux. Et voilà. Et puis du coup, je termine 5e, j'ai envie de dire, le meilleur des autres. Certes, il y a eu des collisions, mais j'ai toujours été, on va dire, régulier pour passer au travers. Ah, c'est une belle 5e position, effectivement. Tu penses que comment... Delta. Ouais, il fallait que je gagne et que lui, il abandonne, et c'est ce qui s'est passé. Ah bah oui. Donc je termine 5e au championnat pilote, et du coup, je suis content. Ça veut dire que j'ai été régulier toute la saison, et que je termine derrière les deux Alpines. Attends, mais du coup, vous passez 4e aussi au... À l'écurie? Bah oui! Ah,
Bah oui, avec bah, une première et une troisième place. On est là, place. Oui. Même vous passez pour troisième, non? Non, on ne passe pas en fin. Bah, il y a 3 points d'écart entre McLaren et Ferrari. Hein. Angelo a pas fini, donc oui, je pense qu'il passe troisième. Hein. Sur le gong, je pense. Faut regarder, mais... Pour faire les calculs, voilà. Ça va être serré. Ça va être serré. Bah... Mais dans tous les cas, ça reste une belle saison avec Kiki. Et... Oui, ça reste incroyable. Bah si, vous passez troisième au constructeur. Oh là là, fiesta de boom, ça. Incroyable. Oui, il passe troisième, je l'ai. Williams, dans ses grandes années, voilà. Troisième position, c'est beau. Putain, ouais, encore. Et qui peut venir surchiter, quoi. Je m'y attendais même pas. Non, mais voilà. Ah, ouais, du coup, belle saison, je suis content. Que ça soit écurie ou pilote, c'est vraiment cool. En plus, on en parlait au niveau du pilote, que Delta était sécurisé, qu'il n'allait pas finir avec zéro. Et ben, si. Ouais, bah ouais. Surprenant. Ouais. Et puis, on se disait, oui, que c'est pas toi ou un autre qui allait gagner. Et ben, du coup, si aussi. Cette fin de saison. On était concentrés sur Alfa Romeo Williams en duel et puis McLaren Ferrari, mais j'avais pas fait attention que. Ah non, on s'est cassé. Même encore deux tours avant, ça finisse comme. Ouais, bah oui. On s'attendait à Angelo ou Tifosi sur la première marche, et puis c'est Coro qui est venu. On était là avec Kiki tapis dans l'ombre et on a surchi. Ouais. Ça fait deux grands prix de suite, hein, où Williams reprend des très gros points suite à des fouillages. Vous avez profité de la fin de saison, c'est quand même assez incroyable et assez beau. Ouais, bah c'est ça, bah quand les meilleurs font des erreurs, on répond présent et ça paye. Et voilà. C'est bien joué. Voilà. Comment t'abordes la saison prochaine, du coup, avec une grosse pause, qu'est-ce que t'en penses? Oh, grosse pause. Ouais, on va mettre le jeu un peu de côté, et après avoir, j'ai pas mal de trucs de mon côté perso et qui va se mettre en place, donc... longue pause et on verra, je reprendrai le jeu quand il faudra reprendre, on va dire. J'ai un volant qui m'attend au chaud, peut-être que je trouverai du temps pour passer dessus. Ça fait 3 saisons que tu me dis ça quand même, hein, j'y crois plus. Deux saisons et demie. Ouais, mais là, s'il a 3 mois et demi de test, il va pouvoir s'entraîner. Oui, bah tu sais, quand il a reçu... Si tu veux, je peux te dire, c'était mon coéquipier il y a 3 saisons. Le jour où il a reçu son volant, il a dit ouais... Je vais finir la saison avec à faire les courses à la manette, mais les entraînements la semaine, je vais les faire au volant. Et puis la saison d'après, je vais passer au volant. Oh, on est saison 10, il n'y a toujours pas de volant, il n'y a rien du tout. Mais il brille, j'ai pas envie de l'abîmer, tu comprends? Ouais, bah oui, ça doit être ça, ouais. Mais ouais. Après, c'est toujours compliqué de trouver la motive, puis on est moins rapide au volant au début. Ouais, non, et puis aussi. Souvent, ça démotive un peu, mais. Il y a aussi le côté privé, les enfants, tout ça, mais voilà. Mais non, si on verra, si je trouve un peu plus de temps, ça serait le bon moment. Et je vous promets rien, encore une fois. Ah, de toute façon, tu feras comme tu veux, de toute façon. Et sinon, juste pour terminer, GG à la Joya pour son titre, McQueen aussi, et Tifo pour sa troisième place au championnat. Et bien joué aussi à Little, parce que du coup, ils se sont battus jusqu'à la fin. Donc... Non, c'était cool. C'était cool, je suis content. Voilà, bravo à tout le monde. Certes, c'est peut-être pas la plus belle des saisons, mais de mon côté, si, on peut dire. Ouais, ben GG à toi, du coup, pour ta première victoire. Et je remercie aussi mon directeur qui a été présent à chaque week-end de course. Excuse-moi, je te coupe, mais je voulais insister là-dessus. Donc merci aussi à Béro, à l'ancien... du team Dino d'être avec nous tous les dimanches, donc voilà, c'est cool. C'est beau. Et Tifosi, je sais pas si encore là. Oui, non, mais on Tifo... Oui. On repart à l'envers. Comment t'abordes, comment tu vois ta saison et comment t'abordes la chaîne en septembre, du coup? La saison... Alors, j'ai fait plein de conneries, hein, mais j'ai jamais fini aussi haut au classement pilote. Donc, on va dire que c'est réussi. J'ai jamais fini troisième. Donc, c'est réussi, forcément. Mais j'ai fait plein de conneries. J'ai je sais pas combien de DNF. Japon, je suis premier jusqu'à la dernière chicane et je bloque. Spa, il y a des faits de course, alors que je pense que j'avais la victoire acquise. Et puis il y a eu des DNF bidons, Pays-Bas, DNF, Bahreïn, je mets 0 points,
Il y a eu plein de conneries, tu vois. Donc, bon, ça, tout ça, faut le gommer. Mais sinon, non, c'est une réussite. C'est une réussite, c'est cool. Enfin, c'est une réussite. Le résultat est positif, mais le. Enfin, le contenu est pas oufissime non plus, quoi. Il y a qu'une victoire. Enfin, il y a qu'une victoire. Je vais me faire taper dessus en disant ça. C'est, voilà, c'est déjà bien, mais il pourrait y en avoir plus, quoi. Mais en vrai, j'ai jamais fini troisième. Normalement, moi, fin de saison, je fais que des DNF. Depuis que je suis à la CFFR, je m'effondre. Je fais toujours des bons débuts et des fins de merde. Donc, bon, bah, c'est bien quand même, troisième. Derrière Adri et McQueen, qui sont largement au-dessus. Donc, c'est bien. Donc, oh, largement, en tout cool. cas, mais puis... ça te laisse une marge de progression. C'est bien. Ouais, ouais, bah, ouais, bah, faut progresser toujours. Hein. Mais après, pour le nouveau jeu, bah qu'est-ce que tu veux? Déjà, j'espère un jeu où il n'y aura pas 40 000 bugs, tu vois, déjà. Bon, je crois au Père Noël, mais bon, il y en aura. Et j'aimerais un jeu un peu différent de celui-là, parce que celui-là, franchement, sur cette saison, ça va. Mais la saison d'avant, j'ai perdu la voiture plusieurs fois sur GDNF, mais sur des pertes de contrôle inexpliquées, mais vraiment inexpliquées. Donc j'espère que le jeu sera un peu mieux, mais bon, ça c'est pareil, tu sais, je crois au Père Noël, hein. Tu sais, ça restera IA, et puis ça restera comme ça. On l'aime quand même, le jeu, hein. On l'achète tous les ans et on y joue, hein. Mais non, on verra, on verra. Ça se... Normalement, il n'y a pas de raison que ça soit pire que là, quoi. Ça peut pas, je pense, de toute manière, mais... Bon, faut jamais dire jamais, on n'espère pas, mais... Déjà, juste au niveau des dégâts, j'espère déjà que les dégâts font plat, les choses comme ça, les dégâts de roue arrière seront incidents. Actuellement, c'est beaucoup trop. Ouais, c'est beaucoup trop. Ça, c'est pareil. Y a des... ça, c'est débile, complètement débile. À Spa, que tu pètes ton fond plat en bas du raidillon, c'est. Il n'y a même pas de mots pour décrire ça, tellement que c'est nul. Mais. Non, mais on verra. Après. En plus, quand même, il y a de l'e-sport sur ce jeu, donc, enfin, je sais pas, il pourrait être quand même, il pourrait être un peu plus attentif à des détails, quoi. C'est ça. Et on verra. Après, déjà, s'ils pouvaient mettre des circuits, tu sais, style Malaisie, Hanoï, des trucs comme ça, le Nürb et tout, ou Hockenheim, ça serait trop cool. Ça, par contre, c'est possible. Surtout qu'ils pourraient le faire, puisqu'ils l'ont, ils l'ont fait avec le Portugal là cette saison sur ce jeu. Oui. Donc... Donc, oui. Effectivement, s'ils le font une fois, ils peuvent le refaire. Franchement, donc, Malaisie et tout, là, certains circuits, là, je kifferais, hein, ça serait génial. Franchement, ça serait génial. Déjà qu'ils modent correctement les circuits qu'ils ont là, et après, on verra pour en rajouter d'autres. Hein. Il y a toujours matière à s'améliorer, même pour le jeu. Mais on verra, on verra. On verra le prochain jeu, il va sortir au mois de juillet, on va rouler un peu cet été dessus, et puis au mois de septembre, on reprendra une saison qui sera belle, j'espère, et cool. Et puis voilà. Puis voilà, ça marche, bien. Merci à toi en tout cas. Merci à toi, puis encore félicitations pour ta saison, puis on espère du bien pour la prochaine. Ouais, bah merci à vous d'avoir commenté et Léo de faire tous ces montages et les lives et tous les autres qui ont fait les lives et tout. Parce que Emmerich, ça prend surtout du temps. Qui fait les montages. Moi, je les mets juste dans le live. C'est Emmerich pour les affiches, ouais, elles sont incroyables. C'est vrai, Emmerich qui fait un taf de ouf, mais tu vois, moi, tout ce que tu fais sur le live, moi, je suis incapable de le faire. Hein. Je suis une merguez. Hein. Donc, moi aussi. Félicitations quand même, oui, c'est vrai qu'il faut le faire. Hein. Les slides et tout, mettre en slide et tout. Donc, félicitations aussi. Et puis, ben, Francky, ben, comment tu vois ta saison et comment tu abordes la prochaine? Et puis, en tant que gérant, comment tu vois la CFFR? Bon, pour moi, ma saison est réussie. Hein. J'ai le double de points que son arrière, je crois. Donc, Tu refais et pareil la saison prochaine? Tu peux être satisfait. Après, son prochain, on verra. Faire ton élite ou pas, on verra après. Ça va se passer. Tu pourrais refaire de l'expert, tu te vois éventuellement? Oh bah, rien n'est impossible, on ne sait pas quel niveau on aura sur le prochain jeu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on est un peu dans l'inconnu sur ce niveau-là.
Parce que des fois, c'est vrai que tout autour, un pilote peut être très bon, et beaucoup moins sur un nouveau, je sais, ouais. Ou vice-versa, moins bon sur le 2022 et très très bon sur... Et comment tu vois la saison pour le CFFR? Qu'est-ce que tu peux annoncer pour la prochaine saison? Et du coup, je pense qu'on fera pas de live avant un sacré temps. Bon, annoncer, après, c'est un petit peu tôt. On n'a pas encore de choses officielles. On verra ça dans la semaine à venir. Après, on va essayer de faire des choses pour patienter d'ici le prochain jeu, mais on n'a rien encore de fixé. Donc voilà, il y aura des petits événements par-ci par-là, je pense, voire même mieux, mais... Donc, à suivre via Instagram, du coup. Appelez Léo. Bonne page, Instagram. Attendez, CFF Intimisport. CFF Intimisport sur Instagram. CFFR fanpage, si je me trompe pas, sur Facebook. Tout vous sera annoncé, hein, si vous voulez suivre les dernières actualités, ce qui va se passer. On recrutera d'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé, je le dis à l'oral, si vous êtes intéressé pour être directeur d'écurie pour la saison 10, vous n'hésitez pas à vous contacter soit la page Instagram, soit le Facebook de la CFFR pour postuler éventuellement. On risque d'en recruter. Je prends pas trop de risques en disant ça. Voilà. Et ben vas-y Léo, je te laisse terminer. Ouais, ben on va enchaîner avec McQueen. Salut à toi, McQueen. Salut les gars. Salut McQueen. Deux saisons de suite, deux deuxièmes places au championnat. Oui, d'or. Bah, je vais te laisser un peu nous raconter ta saison. Bah écoute, je pense que ça s'est vu par rapport à la saison 8. J'ai beaucoup eu moins avec le travail, l'occasion de train. Donc ça s'est vu à travers des performances moyennes. Les circuits où j'ai pu train, j'avais le niveau pour jouer des victoires et des podiums. Et les circuits où j'ai pas pu train, je partais 7e ou 8e en qualif. C'était encore l'exemple la semaine dernière où je pars, je crois, 8e en qualif. Non, ouais, 8e ou 10e en qualif. Donc voilà, un peu dégoûté. Mais sur la saison, Adrien a été au-dessus. Donc gros GG à lui. Frustrant encore une fois de finir deuxième, mais c'est comme ça. C'est un peu le jeu, faut s'entraîner. Surtout que quand t'as pas la trash, faut encore plus train parce que les points de freinage, faut les retenir à chaque fois pour pas faire d'erreur. Donc gros GG à lui. C'était l'objectif, hein, c'était de faire aussi bien que la saison dernière. Moi, je marque moins de victoires sur la saison, j'en fais 2 au lieu de 4 de la saison dernière, par rapport à la saison dernière, mais content quand même du résultat global. Content aussi pour l'écurie parce qu'on finit P2, sachant que Little avait pas mal de galères sur la saison, et moi aussi. Mais quand je fais la rétrospection de ma saison, il y a eu des choses un peu moins bien, des choses. Sur la piste, des choses bien, donc faut corriger le moins bien et garder le bon. C'est ça. Ça fait partie de la F1. Il n'y a jamais que des hauts, c'est très très rare. Il y a toujours des hauts et des bas, des courses où on n'est pas dedans, on n'a juste pas de chance, et des courses où on est bien et où on se sent bien, effectivement. Ouais. Et comment t'abordes la prochaine, enfin qui sera dans longtemps, mais comment tu l'abordes du coup? Déjà, faut s'accaparer le jeu et voir comment la physique est faite, parce que moi, par rapport au 2021, il y a eu un sacré gap. Le jeu me correspondait beaucoup mieux au niveau de la physique. C'est peut-être bizarre, mais les gens, c'est dans l'autre sens, mais moi, ça a été dans ce sens-là. Je me sentais beaucoup plus à l'aise avec la voiture que par rapport au 2021. Et voilà, faudra voir comment on s'adapte au jeu, comment on le prend en main et essayer de performer sur le 2023, qui, je l'espère, pour rejoindre Tifo, il y aura pas les bugs, enfin les bugs, bon, je crois au Père Noël, hein, mais l'histoire du Rédillon, l'histoire du
on te touche derrière, on peut t'éclater l'arrière-train, t'as pas de dégâts et une petite touchette, ça te met l'aileron en orange. J'espère que ça sera réglé par IA, mais bon, je me fais pas de faux espoirs. Je préfère me dire que ça sera pas réglé, avoir une belle surprise à la sortie du jeu. Mais voilà. Faudra s'habituer. Je pense que moi, je vais le reprendre en septembre. Fin août, début septembre, parce que je pourrais pas jouer avant. Et ça fera la grosse mise à jour qu'ils font à chaque fois, là, qui change complètement la physique du jeu. J'arriverai à temps et il faudra vite train et arriver avec un bon niveau sur le jeu. Ça marche. En tout cas, on a hâte. Bon, il y aura le temps, il y a de l'eau, on va couler. On a déjà hâte d'y être. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, Léo, en vocal que tu veux? Bah oui, il y a le champion, hein, le champion. Je sais pas, j'ai pas fait venir, je te laisse faire. Le champion de la saison 9, du coup, premier titre pour toi, là je veux dire, là c'est fait faire. Qu'est-ce que ça te fait concrètement? Et puis, raconte-nous un petit peu ta saison. Bonsoir. Comme je l'ai dit la semaine dernière, très content d'être champion CFFR. Et puis je suis arrivé ici, c'était le but ultime. Il a été réalisé. Maintenant, ça sera de ne pas le perdre. Essayer de le conserver, même si entre-temps, il y aura un autre jeu. Donc, avoir la physique, etc. Comme mes collègues l'ont dit auparavant. Et après, pour résumer ma saison, très content. Je fais 5 victoires. 6 ou 7 pole position, donc très clairement j'ai battu tous mes records que j'avais les saisons précédentes, ouais. J'aurais pu parler. Et donc très content pour cette saison, content pour Tifo qui arrive à choper la P3, à garder la P3 sur ce dernier Grand Prix, même si bon, il a acheté à la poubelle malheureusement. Et non, après, un peu déçu parce que, mine de rien, je suis champion cette saison, mais ce qu'on a vu en piste, ça n'a pas été de toute beauté. Donc, je me dis personnellement que je suis champion de l'année où c'est le plus dégueulasse à rouler, donc c'est pas ouf à titre perso. Donc, pour ça que je vais revenir plus conquérant que cette saison pour essayer de regagner mon titre. Et de toute façon, l'objectif ultime est de dépasser Mourard en termes de titre à CFFR. Tu te mets un sacré challenge. Et il ne faut pas dire que ce soit la saison la plus dégueulasse. Enfin, faut pas dire ça. C'est quand même assez compliqué d'être champion CFFR. Et quand même un sacré... Dis pas des trucs comme ça. Il faut quand même le faire. Et non, mais en fait, le problème, c'est que c'est con à dire. Mais par exemple, quand je gagne une victoire, je vais dans le Discord sur Messenger pour regarder ce qui se passe et je vois que tous les pilotes s'embrouillent parce qu'il y a un accrochage en piste ou un truc du genre et c'est con, mais ça nique le moral, puis c'est pas cool, quoi, tu vois. T'arrives pas à te lâcher parce que t'as gagné, tu te dis putain, ils sont en train de se prendre la tête, au final il y en a un, il veut plus ci, il veut plus là, tu vois, donc c'est mentalement c'est compliqué, quoi. Ça vaut passer toujours au-dessus. Ça fait partie d'une vie. Oui, bien sûr, bien entendu. Tout mais cette saison, pourquoi je suis à la CFFR depuis la saison 5, et c'est la première saison où c'est autant le bazar, si je peux dire, pour pas être méchant. Donc bon, je me dis que de toute façon, c'est sûr, chaque pilote a son caractère, donc faut revenir plus conquérant que cette saison, gagner des titres, battre Mourard et on arrête la CFFR et c'est bon. On fera en sorte en tout cas que ce soit plus carré et il y a des chances que moi personnellement je revienne en cours. Tout ça, mais en tout cas on remettra un peu plus carré qu'avant, on va espérer, et puis on verra bien pour la saison 10. En tout cas, on aura le temps de se mettre en place en interim. J'espère que t'enlèves la trage, Adri, saison prochaine. Ah, bien sûr. Je l'avais annoncé dès que je suis arrivé à la CFFR, le jour où je suis champion. J'enlève la trage et chose dit, chose due. Et bon, on viendra, on cadrera tout ça. Léo, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce que du coup, je ne sais pas. Bah non. Où est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour.
Je sais pas si Ben, je te quelqu'un laisse. a quelque chose à rajouter. Non, mais juste moi, je veux juste remercier pareil toute l'équipe de la CFFR, que ce soit admin ou enfin, vu que c'est du bénévolat, tout ça, franchement c'est cool tout ce que vous faites et aussi nous supporter, que ce soit dans les convives et tout ça, je sais que c'est pas toujours évident et toutes les mises en place que vous faites, les commentaires, l'organisation, tout ça. Donc un grand merci à toute la CFFR, ça fait 3 saisons que je suis là et en vrai c'est un pur régal. Donc voilà, je voulais juste signer ça, le dernier mot du live pour les admins et tous ceux qui participent à la CFFR. C'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour eux. Puis un gros merci aussi à Emeric. Hein. Emeric qui fait un travail incroyable depuis la saison. Enfin, il fait ça à faire d'ici. Il est là depuis le début avec nous. Il fait un travail incroyable, Emeric, qui est souvent dans l'ombre. Et je le remercie particulièrement. Tout comme Francky. Hein. Francky t'a encore une fois géré. Et merci beaucoup. Je sais que ça te prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et merci beaucoup, on va essayer de revenir un peu pour t'aider. Oui, merci, il faut pas se le voir, non, ça part en vrille. Ben vas-y, Léo, je te laisse terminer le live. Et puis c'est bon. Eh ben, si plus personne n'a rien à dire, eh ben, on va se laisser là pour cette fin de saison 9. On se retrouve, ben, je sais pas encore trop quand. Je pense que mois de mai, Francky, on aura un petit événement, je pense. Fin Je mai. sais pas, j'ai pas de. Là, j'ai pas de date, C'est j'ai plutôt rien à mon dire, état. donc Ouais, balance fin mai. il me dira pas quelque chose de qui sera faux, donc là, Ouais, j'ai pas fin de. mai à peu près. Ouais. Dans un mois à peu près, il y aura sûrement. Ouais, je pense qu'on Ouais, va d'ici mois déjà de mai, faire juin, au moins. Ouais, je on fera des pense qu'on va choses, faire au je moins pense. une pause d'un mois et après. Après, ouais, on reviendra, je pense. Ouais, c'est ça, fin mai, début juin. Avant la fin du jeu et avant le début du prochain. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Et bah, à dans un mois. Ciao tout le monde. Yes, Ciao, 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 Olivier. ciao. Bonne soirée.